Antenne, bonsoir. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important pour les femmes et aussi pour les hommes, avec quelques conseils. Ce sera « Les hommes savent-ils draguer ?» Vous pouvez appeler au 05 96. Linda, tu connais le numéro ou pas, jusqu'à présent? Toujours pas. Tu connais le numéro? Et toi, je suppose qu'il y a que un tu... 29 quelque part. Depuis ce 29, donc 71 27 07, 05 96, 71 27 07. Donc l'émission dure 1h30, vous appelez et vous donnez votre avis, pourquoi pas des conseils, pour les hommes et pour les femmes. Alors, je vais commencer tout simplement par l'homme qui est avec nous, Jean-Christophe. Bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien, au fait? Tu vas demander très bien, ça très va bien. Un petit peu malade, mais ça va. C'est normal, le début des vacances, tu as commencé fort ou... Alors on va dire que c'est plutôt le mauvais temps. Tu as attrapé froid? Ouais, j'ai dû attraper froid. Tu étais sorti pour protéger tes moutons et tout? Non, les moutons ça va, c'est plus les poules qui s'échappent du poulailler. Ah ouais, c'est très important. Voilà. Très important. On va essayer de dire des bêtises. Hein. C'est ça. En tout cas, j'espère que tu iras mieux d'ici là. Oui. Ok. Alors, pourquoi tu penses qu'il y a des femmes qui disent que les hommes ne savent pas draguer? Alors, très simplement, parce que déjà, la société, elle a évolué. C'est quoi draguer, déjà? C'est quoi draguer, pour toi? Pour moi, alors draguer... Alors déjà, je pense que je vais déjà prendre l'appel. Libre Antenne, bonsoir. Allô, allô? Ok. D'accord. Alors, pour moi, draguer, c'est lorsqu'une personne nous plaît et qu'on cherche déjà à attirer son attention, à séduire. Moi, déjà, pour moi, c'est ça, draguer. Okay. C'est essayer de séduire quelqu'un. D'accord. Alors, la drague, au sens propre, c'est un engin qui permet, en fait, de racler les fonds d'eau. Oui, au sens propre. Donc, et là où je voulais aller, bon, c'était juste pour faire un petit peu de zèle, et puis j'ai cherché un peu avant de venir. J'ai compris ça. Mais c'était surtout pour vous amener sur le fait de... Est-ce que vous faites la distinction entre séduction et drague? Ou est-ce que la drague... Et découle de... La séduction découle de la drague ou la drague découle de la séduction. Ouais, on va plus dire que la drague découle de la séduction, parce qu'elle vient avant. Oui. Et la séduction se fait tout au long. C'est ça. Et elle se fait aussi dans le verbal et non-verbal. Et est-ce que toi, tu sais faire la différence? Alors, non, je suis un jeune homme charmant. D'accord. Je sais pas séduire, je sais pas. Donc, comme tu ne sais pas séduire d'après toi, tu me diras que lorsqu'une femme te plaît, tu ne la dragues pas. Tu laisses le vent passer. Tu laisses Cupidon non, faire après, les choses. Non, après, c'est surtout de l'écoute. Tu viens, tu essayes de connaître la personne avant tout. Quand tu rencontres quelqu'un, tu vois déjà un physique. Tu sais pas qu'est-ce qu'elle a dans la tête. Tu sais pas quel est son environnement, qu'est-ce qu'elle fait comme travail, quelle est son éducation. Non, tu vois un physique. Tu vois une prestance quand elle va marcher. Et après, quand tu vas entamer une conversation, tu vas te dire, ah, il y a un thème de voix, il y a un rythme dans la voix. Tu vas te dire, ouais. Ça, c'est physique, hein. Parce que là, on est toujours dans le... Mais tu ne peux que passer par ces étapes-là avant d'arriver au moment où, bonjour mademoiselle, et tu vas enclencher une conversation avec elle. Ok. Tu verras si elle est réceptive, est-ce que vous êtes sur le même niveau de vocabulaire ou pas. Et après, bon, ben, là, tu vas commencer à apprendre à la côté ou pas. Parce qu'il y a des gars, bon, ben, ils rentrent directement dans le tas et puis ils lui disent, bon, eh ben, comme j'ai fait avant l'émission, allô, Chabine, tu vas bien. C'est ça. Et toi, Linda, est-ce que tu trouves que les hommes en 2024 savent draguer? Ben, moi, je suis du même avis que Jean-Christophe. La drague, pour moi, c'est comme si tu lances ton hameçon et puis si ça ment pas, tant pis. Et on va pas mentir. Selon la personne que tu as devant toi, ça prend ou pas. Comme tu dis, c'est le physique avant tout. C'est ce que tu vois en premier. Et après, quand tu discutes avec la personne, tu vois si la personne, tu l'apprécies ou pas. Mais au début, c'est d'abord un physique. Donc si la personne ne te plaît pas, le gars va arriver, alors je suis habillée. Tu vas le recaler direct. Alors que si le gars il est à ton goût, là, tu vas lui donner sa chance. Déjà, si le gars est à ton goût, peu importe la façon qu'il vient t'aborder. Exactement. Il est pris. Donc, c'est pour ça, moi, je dis, je ne vais pas dire que les hommes ne savent pas draguer, parce que moi, je me dis, c'est si tu plais à la personne qui est en face de toi, ça va prendre ou ça ne va pas prendre. Et toi, Cheyenne, qu'en penses-tu? Est-ce que les hommes, ils savent draguer? Alors, pour moi, avant tout, il faut définir qu'est-ce qu'un homme. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'autoproclament hommes. Et que c'est pas le cas. Donc moi, j'aime bien définir qu'est-ce qu'un homme et qu'est-ce qu'un garçon.
Un garçon ne saura pas draguer. Pour moi, il va manquer d'expérience, de savoir-faire, de savoir-être. Il n'aura pas la prestance, il n'aura pas l'habit afin de charmer, rentrer dans une phase de séduction. Et un homme, il aura tellement l'expérience, le savoir-être, sa façon de parler, sa façon d'approcher, à savoir déjà déterminer aussi quel genre de femme il va vouloir. Par exemple, ce qu'il JC l'a expliqué, il va d'abord déterminer la façon dont elle marche, le timbre de voix, son allure, son aura, on va dire ça comme ça. Donc, oui, les hommes savent draguer avec de l'expérience, mais malheureusement, les garçons, qui peuvent être âgés d'une trentaine d'années, hein, ne savent pas draguer. Ok. Ils vont être plutôt « Ah ouais, Chabine, maman, t'es bonne. » C'est à qui? Voilà. Et toi, Audrey? Je suis tout à fait d'accord avec Chienne, mais tout à fait, en fait. T'as des gamins. Encore, j'aurais même mis une case voulais, en plus. Je voulais pas les diminuer, vraiment, les rabaisser. Non, t'as une case gamin, garçon et homme. Et malheureusement, tu as le cas entre deux qui te draguent avec leur matériel, leur argent. Il y en a beaucoup. Hein. Après, ils disent quoi? Ils sont toutes matérialistes. Mais pourtant, tu l'as attrapé avec ça, en fait. Ils achètent plein de bouteilles. Ils disent, regarde, j'ai pris la vodka, là, la tabia et tout. Après, ils prêtent à acheter ta voiture, tes réparations, payer ton loyer. Enfin, tout, parce que comme tu ne veux pas de lui, en fait, donc il va... Et tu as ceux-là aussi, donc tu as 5 cases. Alors après, justement, que Jean-Christophe, mais oui. Moi, attends, je voulais dire, je pense que les meilleurs dragueurs et les meilleurs charmeurs, ce sont les plus moches. Ils n'ont rien à perdre, en fait. Ouais. Donc, ils n'hésitent pas. Même ils se disent, ouais, même si la meuf me recale, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Donc, les gars, ils ont de l'entraînement. Et... Ah, je ne sais pas s'ils ont de l'entraînement, parce que j'ai l'impression justement que lorsqu'un homme qui ne te plaît pas te drague et que tu refuses, c'est lui qui est susceptible de se fâcher et de mal le prendre et de nous insulter en disant oui, tu es matérialiste, tu es ça, tu vois, c'est la bonne personne, voilà, tu vois. Déjà, à la base, si le gars vient te voir et qu'il n'a pas l'approche que tu attends, vous n'avez pas de mode d'emploi ? On n'a pas de mode d'emploi. Donc, tu peux sortir du travail, quelqu'un vient de t'énerver, tu sors de la crèche parce que tu es allé chercher tes enfants et qu'on vient de te faire une réflexion qui t'a déplu et puis le gars il vient au mauvais moment pour te parler. Dans un autre contexte où tu serais plus réceptive, là tu vas le prendre. Maintenant, aujourd'hui, Audrey disait, mais ouais, le gars il veut payer ton loyer, il veut payer ton loyer. Les filles... Eh mais c'est lourd. Hein, soit il faut rentrer dans... beaucoup de fleurs bleues, faire un peu trouver des subterfuges, des lyrics pour vous donner. Soit il faut être trop direct. Comme je vous ai dit, vous n'avez pas de mode d'emploi. On ne sait pas. Quand je précise un truc, hein. Dans le cas où justement il veut te payer ça, c'est que tu refuses en fait. Tellement que tu refuses, ils enchérissent pour te donner des choses en fait. Et pourquoi ils font ça d'après toi? Ça c'est chacun, ça c'est pas. Parce que ce sont des hommes. Pourquoi aujourd'hui ces gars-là font ça? Alors malheureusement. C'est qu'il y a une fenêtre qui a été ouverte. Non, il y a un moyen facile pour eux. Bon, elle ne m'aime pas, elle ne m'accepte pas. Je vais vous montrer quelque chose que la société mène à vouloir. Mais c'est qu'il y a d'autres femmes qui l'ont déjà. Mais certainement. Mais ces femmes-là, elles te le disent. Elles te le disent. Il y en a qui te le disent, qui te disent, moi, si tu veux me fréquenter, je veux ça. Il y en a. Pourquoi tu ne vas pas voir ces personnes-là? Parce qu'au moment de... quand tu commences à... On reprend ce qu'on a dit au début, hein, les filles. La drague, je ne sais pas qui tu es, je ne t'ai pas encore parlé. Ouais. Je ne peux pas savoir. Juste au moment où on va commencer à discuter. Mais c'est là que tu te trompes. Non. Parce que Jean-Christophe, qui a des hommes, et là, je viens sur les réseaux sociaux, par exemple, les hommes qui envoient des nudes, comme ça, ce sont des hommes qui l'ont déjà fait auparavant avec d'autres femmes. Peut-être que ça a fonctionné et qu'ils se disent, eh, mais si ça a fonctionné pour une, pour tout le monde, ça va fonctionner. Ils ne savent pas comment tu es, ils ne savent pas si tu es ouvert d'esprit, si tu es fermé d'esprit, peu importe. Ils vont quand même tenter leur coup parce que c'est que comme ça qu'ils savent draguer. Donc, les hommes qui, lorsqu'ils draguent une femme, tout de suite se présentent avec leur bien, leur argent, pour moi, sont des hommes qui sont faibles parce qu'ils ne peuvent pas draguer différemment. Ils n'essayent même pas de draguer avec leur qualité, leur compétence, voilà. Leur expérience. Ils mettent tout de suite leur bien. Et après, ce sont ces hommes-là qui se plaignent. Oui, je sortais avec cette fille-là, une grosse matérialiste. Elle était là que pour mon argent. Mais déjà, comment elle sait que tu avais de l'argent? C'est toi, dès le départ, quand tu as fait connaissance pour draguer, tu as tout de suite parlé de ci, de ça, je vais t'emmener à Saint-Martin, je vais te faire ci, tu vois. Je pense aussi que ça vient d'un manque de confiance en soi, puisque si par exemple la personne elle a confiance en elle, elle sait que par exemple elle a un bel engin qui va te satisfaire, elle n'a pas besoin de mettre en avant ses biens matériels. Normalement. Oui, c'est, mais ça, au premier abord, je ne regarde pas ce que tu as. Oui, enfin, non, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu arrives à la phase de séduction,
tu vas pas mettre en avant, oui, j'ai une belle voiture, j'ai de l'argent, je peux t'emmener au restaurant. Mais je vais pas te dire, ah ouais, franchement, ce soir, tu vas profiter, je vais te lever et tout. Mais il y a des gars qui font ça. Oui, il y en a qui disent franchement qu'ils sont. Parce qu'à ce moment-là, ils n'ont pas les moyens. Ils vont utiliser quelque chose, un atout propre à eux. Voilà. En fait, bah, c'est ça le but de la drague, en fait. Tu utilises ton atout. Ton atout, c'est pas comme un vendeur, en fait. Tu mets en avant le bon côté de ton produit pour le vendre. Sexuelle et financière, pour moi, non. À ce moment-là, c'est l'éloquence, l'habit, la confiance en soi. Bon, madame, franchement, vous êtes très bien habillée, vous êtes très mignonne. Toutes les femmes ne répondent pas à ça. À ce moment-là, tu passes à autre chose. Pourquoi tu veux persécuter ? Les filles, on va remixer tout ça. On est en 2024. Oui. Dans les temps immémoriaux, le Gavin est en bas de ta fenêtre. Juliette, machin, je suis un chevalier. Je te joue un peu de mon banjo, etc. Aujourd'hui, tu as ton téléphone, tu as la télé, tu as ton PC, tu as ta tablette, tu as plein d'applications qui te permettent de communiquer avec tout le monde. Entre autres, on est passé au départ où on était sur MSN. Oui. Alors aujourd'hui, tu as des applications de réseaux sociaux spécifiques pour soit poster des photos, soit échanger avec les gens, soit transférer des fichiers, etc. Donc la personne elle se sent libre. Quand tu mets ton profil public et que le gars il t'envoie un nude, mm-hmm. j'ai pas l'accent, il y a déjà un problème au départ. Oui. Parce qu'il y a une loi de la moyenne qui va se présenter pour le gars. Le gars il voit des filles qui se mettent à poil sur les réseaux toute la journée. Donc ma chérie, je te montre aussi comment je suis. Non, mais je dis ça c'est pas de la séduction. Je me rappelle, on avait des jeunes qui avaient entre 20 et 25 ans qui étaient là l'année dernière. Ils te disaient qu'aujourd'hui, quand ils sortent avec des filles, ils ne se parlent même pas en fait. Puisqu'il a déjà tout vu sur Snap. Ouais. Quand ils rencontrent la fille, ils n'ont plus d'échange parce qu'ils ont déjà tout dit sur les réseaux sociaux quand ils se voient, il n'y a rien. Non. Donc, moi, en vrai, c'est normal qu'il n'y ait plus de drague. Oui, mais il n'y a plus d'hommes non plus de gentlemen. Parce que tu as dit un truc, tu voulais peut-être pas dire la vérité quand tu as parlé de oui, il y a les réseaux, il y a ça, il y a ça. Tu es un homme, tu ne mens pas, ok, devant les téléspectateurs, mais devant nous. Soyons honnêtes, quand un homme drague une femme, on sait que c'est 80% pour le sexe. D'accord. Mais bien sûr. Voilà. Donc déjà. Mais, attends. Okay. Je reprends ce que j'ai dit au départ. J'ai vu une allure, j'ai vu des courbes, j'ai vu des choses qui me plaisent. Ben écoute, j'ai mon signal d'alarme qui commence à titiller. Il se dit, est-ce que c'est plus intéressant? Il y a des gens qui sont 100% physiques. Il y en a qui sont un peu plus sapio. Il y en a qui sont qui globalisent le tout. Ça dépend. Donc, du coup, l'homme qui vient après la femme, parce qu'il est là à la base, avant tout, hein, l'homme qui rencontre une femme ou qui veut draguer une femme sur les réseaux sociaux, quand il la voit, il se dit « Ah oui, mais elle me plaît, je me vois bien Ken », on va dire, ok. Il ne va pas forcément venir la draguer avec les intentions comme avant d'un homme qui vient pour chercher une femme et qui construit un avenir et des projets. Ça sera une drague de basse qualité, de bas de gamme. Voilà, tu comprends. Donc, comme il vient... Voilà, si tu... Ouais, mais si on revient au Moyen-Âge, en fait, le gars, il venait pareil. Hein, pour lui, il regarde si... Bon, tu as... Déjà, est-ce que tu as de l'athéan? Si on va en Afrique. Je ne sais pas si vous avez regardé Ultimatum Africa, Afrique du Sud. Il faut payer la dot. Donc, quand vous avez des cultures comme ça, quand tu arrives, il faut montrer que tu as quelque chose pour pouvoir prendre ma fille. Oui, mais avant, il fallait même... des grandes personnes te disent, mais c'est ni bœuf, ni tête. Oui. Aujourd'hui, est-ce qu'il a la BM? Est-ce qu'il a un appart? La question que j'ai envie de me poser, c'est à quel moment vous nous draguez et comment vous draguez? Ah, est-ce que vous savez draguer? Ça viendra à la subtilité. Parce que les gars ne comprennent même pas quand vous draguez. On est sous les hommes. Mais Jean-Christophe, tu as dit un truc qui est vrai. Peut-être que c'est parce que les choses ont évolué, mais c'est vrai que s'il fallait qu'on regarde comme avant, où un homme, quand il te draguait, ou quand il venait, et on parle bien d'un homme pour faire sa vie, parce que quand les hommes venaient avec tous leurs moutons et les terres qu'ils avaient à cette mari, ok. Pourquoi cette mari? Je ne sais pas pourquoi dit cette mari. Cette mari, pour les terres, c'est parce qu'il voulait t'épouser. Mais aujourd'hui, l'homme, il veut que te ken. Il va même pas te dire, j'ai un terrain. Non, mais attention, ils veulent tout, mais majoritairement, ce genre de personnes-là, ils ont leur femme à la maison. Mais évidemment. Ils ont déjà bouclé, ils ont déjà cherché la sécurité. Oui. Et quand ils vont en soirée, c'est là, ils se disent, ah ouais, bon, je suis chaud là, ce soir, je rentre pas. Oui, voilà, c'est de façon de dire. Voilà, mais en tout cas, ils ont déjà une personne, l'officielle. Ils veulent juste l'officieuse du moment.
Mais c'est pour ça qu'ils mettent en avant ce qu'ils pensent avoir de mieux, en fait. Ce qu'ils pensent attirer sans dire qu'ils sont déjà endettés. Mais pour eux, bien sûr, mais oui, parce qu'ils ils disent qu'ils ont. Ça fait 4 mois, t'as pas payé le crédit de ta mère. Tu mets 5 euros d'essence dans la voiture. Tu mets 5 euros d'essence, ok, tu mets même pas de crime. Tu dis oui, c'est pas encore chargé. On connaît ce genre d'astuce. Audrey travaille dans un sex shop, ok. Et parfois, Audrey a ce côté humoristique, on va dire, de partager sur les réseaux sociaux les perles du jour, tu vois. Les perles, c'est-à-dire les gars qui lui manquent de respect, ok. Ce qui me montre alors. Et je me dis, mais est-ce que sous prétexte qu'elle soit une vendeuse de sextoy, que les hommes se disent, mais comme cette fille-là, elle parle que de sexe, elle vend des trucs pour le sexe, ben je vais venir lui manquer de respect. Est-ce que toi, en tant que, comme tu te dis, ben c'est normal, comme tu vends des, comme tu travailles dans le sexe, eh ben, on te manque de respect. C'est pas normal. Après, je vais te rebondir. Quand je travaillais à Promode, il n'y avait pas de petits jouets. J'en avais quand même. Donc là, c'est pire. J'en avais quand même. Comment c'est-à-dire qu'il y a des... Il n'y a pas de lieu, je suis d'accord, hein. Il y a un respect à avoir. Et c'est là qu'on rentre dans de la séduction et de la drague. Le gars, il peut pouvoir te dire des mots doux, quelque chose, de, te faire un compliment, avoir un mot bien placé. Savoir-être. Du savoir-être et du savoir-vivre. Donc, il arrive dans ton lieu de travail, tu es en train de travailler, il te respecte et il respecte le lieu dans lequel il te rencontre. Tu es en train de faire tes courses, tu es en train de travailler, tu es avec tes enfants, tu es avec un autre homme. Il peut te glisser un compliment qui est respectueux et s'en aller. Mais sans pour cela te dire, bon, ah ouais... Ah, j'aurais bien aimé, mais dis-moi, tu peux essayer sur moi si tu veux. Non. Ou alors, simplement... Moi, j'ai vu ça. Il est parti. Non, c'est vrai que ce n'est pas facile. Numéro, je t'appelle, ou cet après-midi. Non, tu ne sais même pas c'est quoi son prénom. Tu n'as pas essayé de savoir si elle est disponible, pas disponible. Tu ne lui as pas fait un compliment ou quoi que ce soit pour amorcer la... Tu n'as rien fait pour amorcer la conversation, mais tu es déjà en train de... Moi, ce que j'ai tout le temps, c'est quand je fais le démarrage d'un téléphone, bien évidemment, tu peux enregistrer ton numéro. Oui, mais bien, ça, c'est tu as déjà mon numéro, tu sais comment m'appeler. On dit, mais justement, Linda, que ça tourne, que tu commences sur ma première question, vous allez me dire chacune, bon, toi, ce sera après, comment les hommes te draguent? Comment tu trouves que les hommes te draguent? Et comment ils devraient? Voilà. Alors, honnêtement, dans mon cas... Et quel type d'homme que tu attires, surtout? Alors, généralement, c'est les hommes qui ont déjà leur femme. Je ne sais pas si je dégage quelque chose de sexuel ou autre, mais généralement, quand on m'aborde, c'est toujours avec soit un regard déplacé ou bien... je ne sais pas comment expliquer ça. C'est quoi un regard déplacé? Quand tu ne me regardes pas moi, mais que tu regardes mes seins ou un peu plus bas, tu vois. Oui, voilà. Ça, c'est un regard déplacé. Voilà, il faut dire les choses. Voilà. Et ça, j'ai souvent ça à mon travail en plus. Et comment les hommes te draguent? Qu'est-ce qu'ils te disent ou comment ils t'abordent? Il y en a un qui m'a sorti, ah ouais, c'est une femme comme toi qu'il me faut, j'ai tout ce qu'il faut pour toi. Et comment tu trouves cette drague-là? Venant de la personne qui m'a sorti, ça aurait été quelqu'un d'autre, j'aurais apprécié, mais la personne que j'avais en face de moi, ça n'en valait pas le coup. Donc ça signifie qu'il y a des hommes, en fait, lorsqu'ils viennent draguer une femme, Jean-Christophe, tu vas comprendre? Il devrait aussi se poser la question avant d'aller, parce que nous, en tant que femmes, j'espère les filles que vous faites ça, les femmes qui regardent l'émission, lorsqu'on aime voir un homme, on se pose et on se dit, déjà, est-ce que je vais lui plaire? Est-ce que je suis son type de femme? Qui est cet homme? Est-ce qu'il fréquente des femmes comme moi? Déjà, nous, on a un petit peu, on n'aime pas prendre des bocs, mais les gars, ils voient parfois des femmes, c'est même pas à leur hauteur, mais ils vont quand même, ils essaient, Jean-Christophe. Alors, je vous renvoie à vos classiques Mars, Vénus, on ne réfléchit pas comme vous. On ne réfléchit pas comme vous. Vous ne réfléchissez pas comme vous. Mais non, on est des chasseurs. Ouais, parce que vous réfléchissez avec vos testicules, mais nous, on réfléchit. Alors, oui et non, oui et non. On s'entend. Mais on a un instinct de chasseur. On va venir vous voir. Je me pose pas la question. J'ai suffisamment. Vous demandez à avoir un homme qui a suffisamment confiance en lui et suffisamment d'assurance. Oui. Si le gars a des doutes qu'il puisse vous plaire, vous aurez toujours des doutes et vous dire, mais qu'est-ce que je fais avec un gars? Il est molle, puis il s'y en l'air, quoi. Il paie, quoi. Au lieu que le gars me propulse vers l'avant, c'est moi, j'ai plus de peps que lui. Des fois, le gars dit, mais ça, non, il faut que le gars ait du peps, même s'il n'est pas beau. Mais
Il y a des gars qui sont pas beaux, mais qui travaillent le style. Il y a des gars qui n'ont pas le style, qui sont pas beaux, mais qui ont du charisme. Ouais. Et ils savent vous parler, ils savent aligner deux mots de français. Exact. Ils parlent pas le français de la France. Mm. Donc, il faut pas, faut remettre les choses dans leur contexte. Et il faut lui donner sa chance. Là, lui, il se pose juste la question de se dire, je vais peut-être pas la voir une seconde fois. Ouais. Donc, ouais. J'essaie. C'est aujourd'hui ou jamais. Non, pas aujourd'hui ou jamais, mais là, lui, il sent bien le coup. Ouais. Mais il se dit juste ça. Et c'est normal que vous, par contre, vous avez besoin de cette sécurité aussi. Voilà, oui. C'est ça que je cherchais. Ah ben attends, mais oui, on ne va pas draguer un homme comme ça. Vénus. Mais le gars, lui... Comment ? C'est pas la femme de Vénus et l'homme de Jupiter. Oui, oui. Non, c'est Mars ou l'homme et la femme Vénus. Et toi, Cheyenne, comment les hommes te draguent et quel est ton type d'homme ? Et comment tu aurais préféré que les hommes te draguent ? Alors, je ne vais pas vous mentir, je suis tout le temps draguée. Oui. Que ce soit sur les réseaux, quand je fais des courses, surtout au sport. Je peux avoir des gars qui m'envoient leur nude et tout, ensuite m'envoyer « Coucou ma belle, franchement j'aurais bien aimé te contacter ». Bon, ça c'est next, exactement. Oui. Sinon, il y a des hommes qui viennent, ils me complimentent, ils me disent « Franchement madame, si je peux me permettre, c'est très très belle. Bon, félicitations, vous vous habillez bien, vous avez un beau sourire, vous êtes très joyeuse. » Après, ils vont faire leur vie, tranquille. Et il y en a d'autres, ah ouais, j'habite maman, moi, j'avais ça, les résidents des stations-service. Ok. C'est ceux qui font. C'est le langage qui s'empare. Ou les chaînes de la casse. Et donc, ceux-là aussi, je next, mais toujours en ayant une politesse, en souriant. Bon, ben, passez une bonne journée. Ceux que j'aime qui me draguent, c'est avant tout des gens qui ont un charisme. Effectivement, l'apparence compte. Parce que si c'était pour aller avec le gars qui a dragué ma mère dans les années 60-70, c'est mort, hein. Tu sais, les jeans et tout, oui. Le gros chapeau, c'est mort. On en a tous vu, franchement, leur ami était... Mais si je vais, par exemple, en soirée, il se présente bien, il sent bon, il parle très bien le français, il a une assurance, il a une confiance en soi, qui se dégage même s'il n'est pas très, très beau. Oui. Mais au moins, il est bien apprêté. Je pourrais donner mon attention en disant oui, on va parler un peu de ma vie, de voilà, du beau temps et la tempête okay. Tranquille. Mais pour moi, c'est plutôt les gens qui vont avant tout du sport, qui ont un train de vie, une hygiène de vie respectable, qui sont bons, vraiment essentiels, et qui avant tout ne va pas me montrer qu'il a tout, parce que j'estime que je suis une femme indépendante, qui travaille. Je suis mère de famille, donc voilà. Tu fais quoi dans la vie ? Alors moi, j'ai mon entreprise, ma micro-entreprise, je fais de la danse. Mm-hmm. Donc je fais du strip, je fais de la lap dance et de la danse contemporaine. Et on peut imaginer que... Que tu attires en plus les hommes. Oui, j'attire, ils me voient vraiment en petite tenue, voilà. Mais en fait, bizarrement, c'est pour ça que je caractérise les hommes et les garçons, c'est que les petits loulous, bon, à force, ils savent très bien, je vais pas... Voilà. Mais il y a des autres hommes qui me disent, franchement, quand tu fais de la pole, quand tu danses, c'est à la fois érotique, c'est vrai, mais c'est pas vulgaire. Ils vont plutôt me dire, franchement, t'as une très belle prestation, tu es très belle. C'est très physique, ça. Ouais, c'est physique. Mais ils vont complimenter vraiment l'action, le côté artistique. Okay. Que le côté, forcément, ah ouais, elle, franchement, je l'ai... Voilà, je l'ai vu. J'en ai, de façon très minime. Mais j'en ai beaucoup qui me respectent et qui voient plutôt le côté sportif, élégant et tout. Et est-ce que tu penses surtout, mais que je reviens sur ce que tu as dit parce que c'est très important, est-ce que tu penses que par rapport à ce que tu fais, que tu peux attirer un homme qui voudra faire vraiment une relation sérieuse avec toi ? Alors, encore une fois, ça dépend de quel homme. Pour moi, ça reste un métier. Hein. Ouais. À l'heure actuelle, si j'ai réussi à monter mon entreprise dessus, c'est que c'est légal. Exact. Pour moi, si je suis dans une relation... J'en ai eu un encore, où en fait, il avait vraiment du mal à accepter mon travail, accepter les compliments, parce que je peux aller dans n'importe quelle rue, je vais toujours faire la bise. On est dans le monde de l'événementiel de la nuit, donc exact. Tout le monde se connaît. Donc, il avait beaucoup de mal, donc ça n'a pas fonctionné. Mais là, ces temps-ci, je fréquente une petite personne qui... Ben, quelle tranche d'âge ? Il a 33. Ok. Voilà. Et c'est le genre de personne qui aurait bien pu être frustrée, se dire non et tout. Mais en fait, déjà, c'est lui qui m'a arrangé ce matin. Aujourd'hui, il m'a dit, bon, mais il y a ça, habille-toi comme ça. C'est un petit peu sexy. Les hommes habillent les femmes. Tu vois. Il était tranquille, hein. Et par exemple, si je lui dis, bon, ben, chérie, j'ai une petite prestation, ben, le premier à me dire, bon, ben, écoute, viens, je t'emmène. Ok. Ou sinon, bon, si t'as un besoin de garde du corps, je suis là.
C'est la première personne à me dire « cette couleur de lingerie t'ira mieux » ou encore bon, « là, j'ai pas aimé cette prestation-là ». Parce que lui, il va trouver le côté déjà financier, il va se dire bon, « ma femme, elle travaille, elle n'est pas là à gagner le RSA, rien foutre ». Elle va travailler, elle a choisi ce domaine-là, ça lui passionne, c'est très bien. Elle est heureuse, elle n'est pas du style « je vais travailler avec le visage marré, j'ai pas envie ». Il est content de voir ça. Mais il t'a connu au taf ou pas? Il m'a connu, déjà il me connaissait depuis les réseaux. Ok. Et ensuite il a cherché à me connaître un peu plus. Après bien sûr ce que je montre aux réseaux c'est pas ce que je suis forcément dans la réalité. Il faut faire la distinction. C'est énorme. Mais ça sera vraiment la personne qui déjà, dès qu'il accepte, pour moi c'est bon, la relation sera pérenne. Tant mieux. Et puis il faut avoir vraiment une communication, une confiance dans le couple. Et toi, la langue de vipère, comment les hommes te draguent et quel est ton type d'homme à toi? Alors, comment ils me draguent? Bon. Ah non, tout à l'heure, il y en a qui m'a bien dragué. Hein. Franchement, il était mon chapeau. Bref. Ah non, faut nous raconter. Non, mais faut nous raconter parce que personne ne voulait. J'allais pour rejoindre la voiture qu'elle allait me récupérer sur le bord de mer. Mm-hmm. Et donc, je m'assois tout ça tranquillement, j'attends. Et le gars, il vient, il sort d'un je sais pas où avec ses courses de Leader Price. Il s'arrête dans le de... Je suis comme ça avec mon téléphone. Il veut quoi celui-là? Et il dit oui, madame, excusez-moi. Donc, il pose ce truc. Je vous ai vu tout à l'heure. C'était pour vous dire, vous êtes ravissante, vous êtes parfaite. J'ai mis comment vous êtes habillée. Voilà, c'était ça. Puis il est parti avec ses pampers. Oh, toi là, non, ma femme, hein, monsieur, hein, vous êtes bien rentré avec mon cours, c'est ton café. Mais sinon, ton type d'homme. Mon type d'homme ou la dernière en date où on m'a draguée au travail. Mm-hmm. Et ben, le monsieur était venu pour une pompe à. Ok. À aubergine. Oui. On va dire ça. Non, mais c'est grand. Non, mais si c'est aubergine, il n'a pas pris une pompe, hein, donc vaut mieux dire une pompe d'autre chose. Non, une pompe à aubergine, parce que ben, c'est que il veut que son truc soit comme une aubergine, okay. Comme une carotte, je sais pas. Mm. Et il me dit, ouais, il me dit oui, que bon, qu'il veut la pompe et tout, mais qu'il ne sait pas comment l'utiliser. Je dis, ben, je vous explique et tout. Ah, mais non, c'est compliqué. Ce serait possible de me montrer sans l'aubergine dedans, mais je vous prête le mien. Mm. Là, je vais te le diriger pour Jordan. Ok, là tu as dirigé vers ton patron. Moi j'ai dit que je l'envoie pour mon patron, mon collègue, il est qualifié pour ça, il m'a dit que non, qu'il est branché femme, pas homme. Quelle drague! Et c'est quoi ton type d'homme? Alors pas les métros, voilà, c'est dit. Je n'aime pas les gens qui n'ont pas de mélanine et je ne suis pas raciste. D'accord. Tiens, bah voilà. Je n'aime pas les hommes qui transpirent, je ne supporte pas ça. Bah excuse-moi, ma propre transpiration, je ne la supporte pas. Donc. Imagine-toi celle des autres. Donc, okay. Pas quelqu'un qui transpire pas, ça n'existe c'est, pas. Ça n'existe pas. Dis-moi alors, quelqu'un qui s'en fend. Tu m'as déjà vu transpirer à côté de toi? Non, j'ai et jamais pris ça. Attention. Des plans bateaux. Est-ce que tu m'as vu transpirer? Non, mais ça dit quelqu'un. Dis-moi quelqu'un qui s'en fend. Je veux pas que tu transpires. Je veux même pas que ta transpiration touche ma. Comment tu fais pendant l'acte? Non, mais là, il va prendre une douche avant, tu vois. Ouais, mais pendant. Voilà, donc quelqu'un qui s'en fend. Ça va, pendant l'acte, parce qu'on va se doucher après, tu vois. Non, tu ne transpires pas, tu sens pas fort. J'aime les dents alignées. Enfin, t'as vu les trucs qui font comme ça, j'aime pas. Je supporte pas les hommes avec du ventre. Non, je ne supporte pas. J'aime les mouvements, je n'aime pas les coups. Ok, voilà. Ensuite. Après, bon, maintenant, avec un petit peu de sérieux quand même. J'aime qu'ils mangent équilibré, pas trop. Pas trop. Un petit peu foot, mais t'as vu le football, non. Sinon, au niveau de sa tête, ça donne quoi? Franchement, non. J'aime les yeux. Franchement, c'est les yeux. C'est les yeux qui m'intéressent, les yeux et bah, les dents. Bah, les yeux en forme d'amande ou les yeux ronds, les yeux. En forme d'amande. Et les dents vraiment blanches. C'est comme dentifrice, tu vois. Et la tranche d'âge Alors, c'est bon, tu dépasses la 40 l'année, s'il vous plaît. Je n'aime pas les jeunes, c'est bon. Je ne suis pas cougar. Sortez dans mes DM. Libre-antenne, bonsoir. Allô, allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, ça, monsieur. Bonsoir. Voilà. Vous appelez d'où? J'appelle du Lamantin. Ok, alors... Tu lui appelles pour donner ton avis. Est-ce que les hommes savent draguer? Moi, je partirais du principe que la drague, c'est basé sur la subtilité. Mm-hmm. La subtilité, l'honnêteté
la simplicité et le côté naturel surtout. C'est vrai. Voilà. Maintenant, si j'appelle, c'est juste pour donner une petite mention spéciale pour Cheyenne. Oui. Alias Schengen. Juste pour lui dire que ça fait longtemps que je la suis sur les réseaux, c'est vrai. Mm-hmm. Ça fait plusieurs mois déjà. Et je trouve qu'elle a des paroles sensées qui touchent. Et j'espère qu'au travers de ses paroles, elle arrivera à toucher les gens de sa génération, justement. Ouais, surtout, moi aussi je l'espère. Parce que des gens comme elle, on en a besoin. Exact. Merci. Voilà. Son accent métrique, dis-moi, tu es antillais? Du tout. Non. Ok, tu es d'où? Je suis sénégalais, caverdien. Ok, d'accord. J'aime beaucoup l'accent. L'accent? Oui, oui, exact, tu as l'accent, oui, tu as l'accent. En tout cas, merci de nous suivre et puis reste là, ok? Oui, il n'y a pas de problème. Gros bisous. Suis, d'accord. Bonne soirée à vous. Merci, pareillement. Donc, je disais, propre sur lui. Il a une belle voix, il a une très belle voix. Propre sur lui, bien rasé. Propre, franchement. Donc, propre. Audrey a dit, elle n'est pas cougar. Hein. Tu as déjà eu une expérience de cougar? Ouais. C'était mission annulée, mais non, fallait pas. Alors, c'est quoi la différence entre un jeune et un homme de l'âge de Jean-Christophe? Alors, le... Attends, Jean-Christophe, t'as quel âge? 34. 34. Ah, d'accord, 34. C'est gentil, merci de rajeunir. C'est quoi la différence? Jeune, la bonne, c'est d'être assurée. Ok. C'est pas possible, non. Je suis pas non, je suis maman de mes filles, pas des enfants des autres. C'est pas possible. Mais ils sont pas tous comme ça. Oui, mais ah, je sais pas. Bah, j'ai testé deux fois, donc c'est bon, tu vois. Oui, mais là, t'es même plus dans la drague, là, déjà. Quoi? Là, tu es déjà. Quand tu sais que la personne est à ce stade-là, là, tu lui. Alors, que tu me dises les mains propres, que le gars, il a un beau sourire, qu'il sente bon, son allure générale, en fait. Ça, c'est ce que tu vas voir déjà. Voilà, après qu'il soit cultivé, qu'on a une discussion enrichissante, hein, franchement. Je te respecte, malheureusement. Surtout pas de mensonges, ça c'est pas machin, mais vraiment une bonne discussion et qu'on peut échanger, voyager, randonner, tu sais, des activités. Ah là, tu es déjà dans la relation. Là, ah ouais, c'est ça, mais bon, tu peux discuter des voyages que tu veux. Ah faire, d'accord, ok. Dans d'accord, la discussion, okay. Les randonnées que tu peux réaliser, pas forcément avec lui, mais tu peux, parce que en discutant, je peux discuter avec Linda, elle m'apprendre que je sais pas, une randonnée tel endroit ou Jessica et autres. Donc, échanger vraiment sur la faune, la flore, tout. Vraiment, vraiment, surtout. Des conversations enrichissantes. Alors moi, je vais donner mon avis, mon Dieu. Alors avant, je me faisais draguer d'une autre façon. Depuis que je suis Jessica Chocolat, eh ben, la drague, elle est pire. Elle est encore plus pourrie. Je me suis rendu compte que ça n'a pas changé quoi que ce soit. Je trouve que les hommes draguent... Alors certains hommes savent draguer. Ils vont juste faire un compliment... Et puis, ils ne vont pas insister, tu vois. Ils vont juste dire, je ne sais pas moi, vous êtes belle ou bien j'aime beaucoup ce que vous faites. Et puis, ils ne vont pas insister. Ils vont venir peut-être une fois comme ça pour prendre des nouvelles. Ça, c'est la drague à l'usure, que j'appelle ça. Il me semble que la personne n'a pas raccouché. Et tu as envie de rester? Non, de rester, c'est-à-dire de continuer à nous suivre dans l'émission, mais de raccrocher. Tu peux raccrocher, en fait. Et en fait, du coup, ce sont des hommes qui veulent aussi... Certains veulent t'avoir à l'usure. Tu sais, ils se disent, bon, allez, un petit coucou comme ça. Un jour, peut-être qu'elle va me dire... Laisse sa marque. Ça, voilà, ça rentre comme ça. Un jour, peut-être que ça va marcher. Après, tu as les gars qui draguent avec les nudes. Genre, tu m'envoies tout de suite, salut. Et boum. Des fois, il n'y a même pas le salut. Non, moi, je n'ai pas de salut. C'est boum. C'est d'un coup... Ah, le pire, c'est que c'est même pas propre. Et c'est parfois, non seulement... Alors, tu es un homme, hein. Je me dis... Les filles, je pense que vous avez aussi ça sur votre portable. Je me dis, mais les hommes qui envoient des nudes, et puis c'est des types poids, je me dis, mais pourquoi t'envoies ton chef-d'œuvre? Non, mais t'accroches pas, tu vois, donc... Et t'en as avec des billes. Il y a ce style de mec-là qui me drague, mais en vrai... Beaucoup d'hommes en couple me draguent. Et je me dis, lorsqu'un homme en couple te drague, surtout ceux qui te jouent du violon, est-ce que le mec se dit, ben, elle, c'est une bois-bois, en fait. Je vais juste lui dire, elle est belle, elle est ci, elle est ça. Et puis, je me dis qu'un homme qui te drague, qui est déjà en couple, tu sais déjà hein, ce qu'il Après, veut. Après, hein. Je pense que toi et moi, on est dans la même tranche d'âge. Et je crois que notre tranche d'âge, ça correspond aux gens qui sont déjà en couple, en train d'avoir des enfants... Et donc, du coup, trouver un gars célibataire dans cette tranche d'âge, c'est-à-dire les
on va dire, 30, 45 ans, c'est compliqué, je pense, de nos jours. Alors, Linda, on va dire ce qui est vrai. Aujourd'hui, j'ai dit ça dernièrement, il y a un homme qui n'a pas compris ce que j'ai voulu lui faire comprendre. Quand les hommes disaient que les femmes avaient le choix, ok ? Avant, les hommes disaient, oui, la femme, elle a le choix. Oui, il y a plus de femmes sur Terre que d'hommes. Donc, forcément, pour les hommes, nous avons le choix de choisir. Mais lorsqu'on choisit, la plupart, parfois, des mecs qui correspondent à ton type, ils sont déjà en couple. C'est ça. Alors, soit ils sont en couple, soit ils sont mariés, soit ils sont dans un couple bancal. Genre, je ne suis pas bien avec ma femme, mais je ne vais pas partir. Il y a les enfants, il y a la maison qu'on a achetée ensemble, on a monté une entreprise. Donc, un coup, le gars, il sera bien avec toi. Et un autre coup, il va se rappeler que non, si je pars, je vais perdre temps. Donc, on attire ça. On attire aussi les hommes qui sont seuls, mais physiquement, ce n'est pas notre style d'homme. Après, tu vas me dire que tu peux essayer de faire connaissance avec un mec qui ne te plaît pas physiquement et après, essayer de voir ce qui te plaît en lui. Mais lorsque nous sommes déjà sur le physique, il y a des gens qui ne veulent pas admettre ça, le physique est important. Ce n'est pas facile de se laisser draguer par un homme qui ne te plaît pas physiquement parce que déjà... Il y a déjà une barrière, donc comment tu fais pour pouvoir te lâcher, t'intéresser à aller boire un verre avec l'homme? Bon, ça dépend, si c'est un peu sexuel, tu t'en fiches. Mais pour moi, un homme, il doit quand même faire du sexuel. Et en fait, pour moi, un homme, un vrai homme qui s'aime, en fait, tu es la vitrine de toi-même. Oui. Pour moi, tu dois avoir une hygiène de vie convenable. Au moins, fais un petit peu de sport. Exact. Ne laisse pas, on aurait dit, des hommes avec des grossesses. Au moment, je me dis, même au sport, frère, il va accoucher, tranquille. Tandis que les hommes, ils ont plus le choix. Même s'il y a plus de femmes sur Terre, un homme sait qu'il a sa femme, il peut avoir une maîtresse. Ou des maîtresses. Et en plus de sa maîtresse, il peut avoir des tripes. Et en plus de ses tripes, il peut avoir un coup d'un soir. Tu comprends ? Pourquoi il peut avoir ça ? Okay. Il y a beaucoup de femmes. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, tandis que la femme, elle n'a pas... Déjà, on ne peut pas faire libérer, délivrer, parce qu'on va dire que nous sommes des bobos. Parce qu'une femme ne peut pas dire, oui, j'ai mon mari, et j'ai mon amant, et j'ai 3-4 gars. Et ça te dérange ? Ça, c'est la bobo. Tu vois, tu ne peux pas... Nous, les femmes, on peut... Linda, soyons honnêtes. Tu dis ça, mais il y a des femmes qui le font. Fait. Alors, il y a une différence entre le faire et pouvoir le dire comme les hommes. Parce que Jean-Christophe Demey, il a sa femme, il va draguer Cheyenne, supposons. Il va, s'il est honnête, hein, parce qu'il y a des hommes qui draguent et ils disent pas tout de suite qu'ils sont en couple. S'il est honnête, il va dire oui, salut, tu me plais. En discutant, Cheyenne, c'est une femme qui est très intelligente. Elle a vu que c'est un beau mec. Elle va dire, ah, mais un homme comme toi. Parce que les hommes vont dire, une belle femme comme toi, t'es pas célibataire. Ça, c'est la façon de demander si tu es célibataire. Même si t'es pas belle, les gars vont dire, ah, une belle femme comme toi, t'es pas célibataire. Ouais. Et là, une vraie femme, elle va dire, ben non, je suis déjà en couple. Et tu as aussi la fille qui, elle est un petit peu chaude, là, ça va dire oui, c'est ça, je suis en couple. Mais ça fait comme si que tu vois, elle ouvre. Tu peux, mais tu comprends la Jean-Christophe, phrase, je suis en couple, mais c'est compliqué. Jean-Christophe va dire qu'il est en couple. Tout de suite, Jean-Christophe va dire bon, écoute, tu me plais et tout. Cheyenne va dire oui, mais quand même, ne me dis pas qu'un homme comme toi. En plus, surtout que Jean-Christophe s'est présenté avec tout. Oui, je travaille, je fais mon travail. Oui, j'ai ci, j'ai ça. Tu vas dire non, mais je parle, c'est un exemple. Non, mais c'est ça. Vous ne voulez pas, mais tu donnes cet exemple-là. Je ne suis pas d'accord avec toi. Tu vas dire que tu es. Non, j'arrive pas. Je donne mon prénom, on parle de la couleur. D'accord, tu ne parles pas de ton travail. Elle n'a pas encore besoin de savoir. Mais elle a besoin de savoir que ton couple. Ah oui, d'accord. Tu es chroniqueur depuis 2023. C'est ça. Avril, mai. Donc, Jean-Christophe, tu as dit que tu es en couple. Non, là, on ne peut pas arriver sur ce dernier point, on faisait la conversation. Voilà. Mais à un moment donné, tu dis que tu es en couple. Bien sûr. Tu ne vois pas que c'est les femmes qui acceptent plus facilement de rentrer dans ce genre de relation que l'homme. On aurait juré que parfois, l'homme, quand il rencontre une femme et puis la femme dit qu'elle est en couple, le mec, il sait que s'il va là, c'est que pour manger. Il n'y a pas de sentiment. C'est nous, les femmes faibles, que lorsqu'on rencontre un homme qui est en couple, même si on est consciente qu'il a déjà quelqu'un, On espère. Mais en même temps, les hommes ne font pas ça. Dans un couple, est-ce que c'est pas plus facile pour l'homme de s'échapper, aller donner des coups à droite à gauche, qu'une femme, elle est à la maison avec les enfants, elle va dire à son mari, je reviens. Il y a des filles qui sortent beaucoup, qui sont souvent. On parle déjà en couple, Jean-Christophe. Il y a des filles qui sont en couple. Qui sortent beaucoup avec les copines, avec les amis. Elles ont peut-être l'activité de Kizomba, elles ont les sorties avec les copines comme ça, elles ont le sport, elles ont les voyages parce que bon, et on est en plein carnaval le samedi. Ah, t'es fou, c'est en deux yoga, tu m'en as dit. Je laisse mon copain ici. Ah, mais moi, ma jamie, c'est une CIA.
on sait déjà où je vais, avec qui, je sais même pas où est-ce que je dors, que mon gars, il sait déjà où je dors. Mais tant mieux. Ah, mais c'est pas possible. Vont... Mais non, mais il y a des gars comme ça. Il y a des gars qui sont même pas au courant. Ah, mais ça, non, oui, mais ça, c'est vrai que... Mais les gars, ils sont pas Linda n'a pas menti. Comme l'inversement. Comme l'inversement. Et puis même, quand la femme, elle est dehors, elle reçoit pas 50 appels sur son téléphone en 2 minutes. C'est bizarre, ça, vous vous retrouvez avec des gars bizarres. C'est ça, c'est tout. Jean-Christophe a essayé. Non, 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 ça résonne, tu sors. Tu sors. Tu passes à Jean-Christophe. Ou bien quand même, peut-être. Je sors, elle sait où je suis. Ok, et elle, vice versa. Elle sait, elle m'appelle, elle me dit où elle va. Okay. Et tu réponds et tout ça en visio et tout, Tandem. Si elle m'appelle, oui, je réponds. Ça, c'est... Oui, il y a vraiment en visio que je vois avec qui tu es. Tout le monde n'est pas pareil. Non, je me suis... Non, je sais ce que je veux. Je sais ce que je ne veux pas. Là, si tu parlais d'expérience, ouais. Avec l'expérience, je sais ce que je ne veux pas. Il n'y a pas de débrief à la fin, chérie, t'as dansé avec Mais oui, on en rigole. Mais je me suis fait draguer. Je te dis, je me suis fait draguer. J'ai trouvé cette fille-là jolie. J'ai dansé. Tu estimes que tu peux sortir et danser avec quelqu'un dans une soirée. Si je ne peux pas être avec quelqu'un qui comprenne que ça, j'aime danser et je sais dissocier danser et draguer quelqu'un, j'ai mon zouk. Et. J'aime ton zouk, tu ne danses pas ton zouk. Ta femme, elle est chez toi. Mais pourquoi? Pourquoi? Tu montes ce qu'il dit. Par contre, danser et draguer, la limite, elle est fine. Hein? Non, c'est parce que vous voulez. Elle est plus que fine, c'est une braguette. Alors, je vais te dire un truc. J'ai fait le carnaval de Toronto. J'étais en couple. Elle était à côté de moi. Il y avait des filles qui... Il y avait des Saint-Luciennes ou Barbadiennes. Elle baquit tout à côté. Et puis elle est là, elle filme le truc. On est là, on prend notre pied. Donc elle levait forme de... à côté. Après, merci, bonsoir, on rentre chez toi. C'est ça. Mmh. Ça dépend de ce que tu donnes comme connotation derrière. Si tu donnes ça une connotation sexuelle, elle travaille, je vous rappelle. Oui. Donc moi, l'homme qui profite du cadeau de la part de mes copains parce que bon, ben, c'est un enterrement de vie de garçon, par exemple, je sais que je me marie le lendemain. C'est pas pareil. Chez Yann, tu es en couple. Tu vas en soirée avec tes copines, on envoie du zouk. Est-ce que tu estimes que tu peux aller danser du zouk avec un homme? Mais totalement. Pourquoi? Mais bien sûr. Avant tout, je suis libre. Okay. Pour moi, je reçois le JC. Pour moi, si je suis dans un couple, il sait très bien que Cheyenne qui danse pas, il y a un problème. Donc oui, je vais danser le zouk. Après, maintenant, il me dit, tu danses ton zouk, amuse-toi. Par contre, je veux voir quelle attitude tu auras après. Okay. Est-ce que tu vas rentrer avec lui? Est-ce que tu vas rentrer à la maison? Okay. Est-ce que tu vas faire des vices? Après, mon gars, pour nous, on est comme ça. Je vais être franche, comme toujours. Je dirais pas que nous sommes libertins, mais pour dire que nous sommes dans une... Je sais très bien que s'il sort, qu'il aura des pulsions, il peut aller. Par exemple, si je vais à Sainte-Lucie, par rapport à l'ambiance, plusieurs facteurs, il se peut que, oui, j'ai décidé de... Oh, le gars me stresse vraiment. Bon, pourquoi pas? Mais avant tout, je vais en parler avec mon gars. Bon, mais chérie, écoute... Voilà, parce que vous avez une... On a une ouverture d'esprit. C'est pas tous les coups. Et franchement, je vous tire à vous tous les deux, sur ce que vous avez dit, grand respect, parce que il y a des couples qui vont juger des couples qui se disent tout en mode mix. Mais ils sont bizarres. Mais pourtant, eux, ils sont en bafaille. L'homme ne sait pas ce que la femme fait, la femme ne sait pas. C'est un peu dommage parce que c'est un couple très hypocrite. Mm-hmm. Donc, c'est mieux. Et ça pète tout le temps. Ah, mais bien sûr, parce qu'il suffit qu'une personne... Voilà. En plus, sur une île, les gens parlent. Il suffit qu'une personne vienne dire « Oui, j'ai vu ton gars hier soir en soirée. » La meuf, elle va péter les plombs parce qu'elle n'est pas... Ils n'ont pas de complicité, vraiment. La prochaine question est très intéressante pour tous. On commence par Jean-Christophe. T'es le seul gars. Je ne peux commencer par toi. Merci. Draguer ou se faire draguer? À draguer. Pourquoi? Je suis un homme, je reste galant. Juste pour ça. Non, non. Alors, je suis nul. Hein. On m'a déjà dit que je me suis fait draguer ou la fille, elle m'a touché. On est en pleine conversation. J'ai rien vu. Je vois rien. Si tu me dis pas, parlons français. Mais j'étais loin de me. Mais je vois jamais ça. Mais t'étais pas et pourtant, on me dit, et on me reproche, on me dit, mais tu vois toujours tout. Tu vois... J'ai publié un truc en plus sur les réseaux sur ça. On sait comprendre la politique, on sait comprendre les jeux, on sait parler de tout et de rien. Mais pour vous comprendre, vous et vos subtilités, on sait pas. Eh bien, c'est comme ça. Moi, au niveau de la drague, moi, je vois rien. Donc, je préfère aller vers quelqu'un. Je vais rien voir. Si tu me dis pas, franchement, j'y sais, tu m'intéresses. Comment on va dire ça? Elle ne l'a pas montré physiquement. Mm-hmm. Je vais rien capter. Et toi, tu trouvé bizarre, enfin, je me permets de poser une question. Oui. Si une fille vient et te dit, franchement, j'y sais, on couche ensemble. Tu l'aurais trouvé bizarre dans sa tête ou pas du tout. Tu n'aurais pas eu peur. Tu n'aurais pas eu peur. Mais tu viens comme ça, tu fais. Ça dit de rentrer chez moi, j'ai vraiment envie de faire l'amour avec toi. Une femme qui te dit ça. Alors, j'ai vécu ailleurs.
Et j'ai déjà vu des potes se faire aborder comme ça. Au début, ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait bizarre. Ouais. Et après, quand j'ai compris que c'est comme ça que ça fonctionne dans cette culture-là, j'ai dit, ah, tiens, ok, d'accord. Donc aujourd'hui, ce qui me faisait bizarre au bout d'un moment, c'est qu'une fille ne vienne pas demander à danser du zouk à un homme. Donc, quand j'ai compris qu'en France, ça se faisait, dans d'autres pays, ça se fait, et ici, on est toujours en mode... On attend. Mais on n'est pas devins, les filles. Il y a quelques femmes qui le font quand même. Hein. Ouais. Oui, Audrey, on sait que tu demandes. On va arriver, Audrey. Mais je me dis, alors, s'il faut mettre... Parce que si la fille, elle vient danser avec le gars, là, par contre, ça, je pense à Boudelad, elle vient lui demander. Ça, je pense à totalement Boudelad, parce que ce n'est pas habituel dans le contexte local. Oui. Tu vas faire ça il y a 15-20 ans, en arrière. Là, je me dis... C'est pas, est-ce que c'était pas dans l'évolution actuelle? Ou est-ce que c'était... C'est pas dans les mœurs. C'est les mœurs, c'est exact. Les mœurs ont changé. Donc, je me dis aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit, il y a des filles qui invitent des gars à boire des verres. Mais j'entends bien sûr. Il y a des filles qui payent. Alors, ça, c'est pas ça. Il y a beaucoup qui payent. Là, ça, c'est autre chose. Le gars, il dit ça, mais t'as jamais eu une femme qui t'a payé un verre? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Au second date. Ouais. Au second date. Parce que tu es gentleman, donc tu veux toujours payer. Je sais, tu vois. Si j'ai un second date, c'est que. J'ai déjà vu des filles aussi en mode. Ah bon, tu attends, je paye. C'est moi qui t'ai proposé pour ton sort. Il n'y a pas de problème. Mais ton attitude aura raison de toi. Ouais. Merci, bonsoir, passe une bonne soirée, merci pour tout. On peut se parler de temps en temps, si on se voit, on peut juste dire. Et ça, c'est chaud quand un gars te dit ça. Mais de nos jours, nous-mêmes, on ne sait pas si on doit payer, si on doit faire 50-50 ou si on doit laisser le gars payer. Fais le geste, fais semblant. Essaye de faire sortir ta carte. Enfin, moi, je sais que. Et puis je te dis, je sors la carte, effectivement. Mais aujourd'hui, on ne sait pas. Les femmes, elles veulent l'égalité. Donc après, on doit payer. Les femmes veulent les mecs gentlemen. Parce que jamais ça fait passer pour la personne. OK, madame. OK. Elle m'a dit de faire passer dans l'émission qu'elle trouve que les hommes ne sont pas assez romantiques aux Antilles. OK, je précise bien, puisque quand j'avais fait la comparaison de pourquoi certaines Antillaises sortaient avec des métros, ou des étrangers, elles avaient toutes mis les mêmes choses, c'est parce qu'elles ont trouvé que les métropolitains étaient plus romantiques. Ce sont eux qui sont... Mais après, c'est un petit peu normal. Vous avez vu Paris, comment Paris donne envie d'être amoureux Avec les rats, tout ça, là. Voilà. Les métropolitains sont très... tu vois, le petit resto, ouvrir la... Dernièrement, j'étais à Madjana, j'ai fait un petit coucou à un couple antillais. Mm-hmm. Un jeune homme, il a ouvert la porte de sa voiture pour sa copine. Non, j'étais tellement... Je suis sur ma voiture, j'ai dit, excusez-moi, je touchais la porte, j'ai fait, vous êtes nouveau couple? Le gars m'a dit, non, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. J'ai dit, et il ouvre la porte. La porte de la voiture? La porte de la voiture pour sa copine, il a ouvert la porte. Tu vois, c'est pas tout le monde qui fait ça. Est-ce que tu crois souvent des Antillais qui se donnent la main en Martinique? Des couples qui se donnent la main? Kamadjana, c'est qu'arrivé là, d'accord? Ou, suis-moi, je t'accompagne, toi. Voilà. Est-ce que tu vois des couples s'embrasser, comme en France, où tu vois beaucoup de personnes s'embrasser? Eux, en métropole, t'as l'impression qu'ils font des bébés dans la rue, tu vois? Que ce soit dans les métros, sur les bancs, ils sont très démonstratifs. Ils sont très tactiles. Ils sont très tactiles. Ouais, mais ici, c'est la culture, tu sais, ils veulent pas trop se montrer. Déjà, il fait chaud, donc je vais pas te dire la main. Toi qui n'aimes pas la transpiration, en plus. T'as mis moi, lâche-moi. Mais il est pas romantique. Non, il est beau bisou. Mais tu veux quoi, en fait, romantisme? Non, mais en fait, c'est pas la culture. Ça dépend. Par exemple, quand je sors, par exemple, mon gars, il aime toujours toucher mon cul. En public. Oui, mais pour ça, c'est lui, une façon de montrer ça à moi. Non, ça, c'est une façon, au lieu de me tenir la main, ça sera directement les fesses. Non, mais après, il peut très bien descendre, glisser. Ah, mais écoutez, il touche les fesses. On a un âge. Je marche, il touche vraiment. Libantane, bonsoir. Bonsoir. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Ça va, Charlène? Ça va, comment on s'est fait moins? Mais alors, heureusement qu'on s'est fait moins, quoi! Alors, Charles, est-ce que les hommes, ils savent draguer? Est-ce que les hommes savent draguer? Oui. Les pauvres gars, comment tu veux qu'ils connaissent les codes maintenant? Quand les gars essaient d'aborder les meufs, bouche les femmes dans le nom, tu es la Martinique. les pauvres gars, ils sont perdus. Ils ne savent pas s'il faut aller à gauche, s'il faut aller à droite. Les femmes, elles disent, même au lit, elles disent rien du tout. Elles disent, ah, mais monsieur doit trouver l'emploi. Mais non. Il faut discuter, il faut parler, il faut,
faut échanger. Le gars, il n'est pas bœuf, hein. Faut lui montrer, faut lui dire les codes. T'as la boule de cristal. C'est ça, Chacha, ils ont. Audrey t'a dit qu'ils n'ont pas de boule de cristal. Qui c'est qui n'a pas, Audrey n'a pas de boule de cristal. Audrey t'a dit que les hommes n'ont pas de boule de cristal. Mais non, les gars n'ont pas de boule de cristal, les pauvres. Et puis, dans la société actuelle, c'est encore plus difficile pour eux. Mais oui. Je suis au téléphone. C'est encore plus difficile pour les petits jeunes. À l'époque, on pouvait profiter d'un zouk et puis tu peux draguer, tu vois. Mais là, si le gars n'a pas une belle gueule ou bien un beau faciès, il prie en ça. Si le gars n'a pas un gros porte-monnaie, il prie en ça. Elles vont pas venir en direct. Mm-hmm. C'est difficile pour les gars. Alors, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux gars? Ce n'est pas aux gars que je vais donner un conseil, c'est aux filles. Alors, qu'est-ce que tu vas dire? Je vais dire aux filles, franchement, d'être plus sincère et puis d'être plus ouverte. Un gars te dit, wow, t'es jolie ou bien t'es un beau corps, leur visage est attaché. Tu comprends? Il faut qu'on ait un petit peu plus de douceur dans notre manière de recevoir les compliments. C'est comme ça que les premiers contacts s'installent. Ok. Elle a pas tort. Mm-hmm. Alors, Charlène, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, oui. Le gars qui ne sait pas, on pourra prendre les garçons, c'est comme ça que les filles ont dit. Les garçons, ils ont besoin d'expérience. Donc, tu te sens responsable de son éducation de drague, puisqu'il n'a pas encore les codes, justement. Il vient et te dit, ah ouais, négresse, maman, tu es bien. Tu vas lui dire, je te remercie pour le compliment. Mm-hmm, tu souris. Mais c'est pas comme ça que tu aurais dû le dire, plutôt comme ça. Merci beaucoup, passe une bonne journée. Ce serait plutôt ça la méthode. Exactement, c'est comme ça que je fais. Et je pense qu'il y aurait moins de gars qui auraient agressé des filles aussi, ou bien se sentiraient diminuées parce que la fille l'a injuriée ou bien l'a regardée bizarrement. Merci pour le compliment. Par exemple, j'étais au Blackwood, il y a un gars qui me fait ah ouais, je marchais, je me suis reculée, j'ai refait, je fais alors on refait. Donc je suis une bonne, je refais ma démarche et tout. Et je lui dis par contre, maintenant, c'est pas c'est bonjour, ça va, tu t'es bien profité de ta soirée. Donc là, il m'a respectée. Parce que je l'ai recalé gentiment avec le sourire et je lui ai montré par contre que je ne suis pas une fille facile. Non mais Charlène, elle a tout à fait raison. Charlène, merci beaucoup pour ton beau message. C'est un très bon message. Peut-être que ce soir, on va se faire draguer et qu'on va prendre note, tu vois. Parce que c'est pas évident pour les gars parce que nous sommes dans une société où les femmes, on va pas se mentir, on a beaucoup de place. Ça veut dire que nous sommes entendus majoritairement, et puis il y en a d'autres qui ne sont pas entendus, tout dépend dans quel contexte. Mais les hommes, il ne faut pas les oublier, ils se sentent petits, ils ne trouvent plus leur place. C'est pas évident. Mais je ne généralise pas, parce qu'il y a des gars, ils ont déjà un beau visage, ils ont déjà un beau physique, ils ont une assurance. Je ne sais pas, mais eux, ils peuvent choper facilement. Mais les autres, ils sont obligés de faire avec faute d'autres, tu vois. Ils font comme ils peuvent. Pas dire ça, des fois, t'as des gars qui... Mais merci beaucoup, Chacha. Alors, je vous donne un exemple, les filles. Bisous, Priya. Bisous, Tati. Moi, ce que j'ai vraiment remarqué, c'est que c'est vous qui lancez ces codes. Pourquoi? Il y avait des gars, ils étaient comme moi, hein, à une période. Hein. Et puis, tout d'un coup, t'as vu la barbe arriver, paf! Pourquoi? Et puis, t'as des gars qui sont alors. Ça ne leur vont pas du tout la barbe. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut avoir la barbe, il faut aller au sport, il faut faire les pecs. Donc, vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça va changer la donne. Et après, ça va évoluer. Parce que la majorité. À un moment, ils avaient des locks. Ben oui, Chabin locksé. Donc, tout le monde avait des locks. Regardez ce qui sort en musique. Chabin de. Voilà. Donc, c'est un roulement. Donc, les gars, ils sont. Elle a raison, Charlène. D'ailleurs, j'ai noté pour les femmes, ce que les femmes, j'aimerais dire si vous vous retrouvez dedans. Ce que cherchent les femmes chez un homme, le sens de l'humour, l'honnêteté, la stabilité émotionnelle, la communication et la gentillesse. Et sans oublier le plus important, la femme cherche parfois chez l'homme la considération. OK? Donc, Jean-Christophe, est-ce que tu as toutes ces qualités? La communication, le sens de l'humour. Alors, oui. L'honnêteté avec ta compagne, tu l'as. La stabilité émotionnelle. C'est quoi là, pour toi? Alors, il y a des hommes qui ont des traumas, ok, de toute façon, on a tous des traumas, mais j'ai l'impression que comme la femme va plus chez le psy que l'homme, ok, la femme, quand elle a un souci, elle va plus aller se faire aider, elle va se vider, tandis qu'il y a des hommes, ils ont des traumas et grandissent et vieillissent avec.
Et parfois, ça a un gros impact dans leur relation en couple. Dans leur relation. Donc. Mais il faut déjà que cette personne-là soit consciente. Merci. Ouais. Elle soit consciente de ça, qu'elle soit autocritique, qu'elle accepte déjà ça et que. Elle a envie de changer ça. Voilà. C'est conscient. Pas facile. Mais pour arriver à tout ce process-là, est-ce qu'on l'a mis à l'aise? Est-ce qu'on lui a pas dit, tu es un homme, tu dois maîtriser tes émotions, tu ne dois pas te laisser transparaître? Ah ouais, mais il n'est pas attention. Il ne me parle pas de ses émotions, il me dit pas ce qu'il ressent, il ne me montre pas ceci. C'est normal. Soit la société, soit l'éducation, ça a découlé. Libre Antenne, bonsoir. Allô? Allô, allô? Allô? C'était un appel? Bon, mais la personne va rappeler. Après, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que... tu disais quoi déjà? Sur la stabilité émotionnelle. Ou non, c'était pas ça. C'est pas ce que oui, c'est de ça qu'on parlait. Oui, si, si. Non, mais voilà. Parfois aussi, l'homme, il va tomber sur une femme qui va essayer justement de lui faire remarquer qu'il a des traumas à résoudre. Elle va l'aider. Elle va essayer de le, pas le changer, mais de l'améliorer. Au final, le couple va se casser. Et le gars, tout ce qu'il devait être avec cette femme-là, mais il le sera avec une autre. Oui, c'est la vie. En fait, tu l'as arrangé pour s'approcher. Mais on est toujours arrangé par une personne. Voilà. Peut-être que justement, c'était ça, les gens personnels. Il faut l'accepter. À ce moment-là, dans sa vie-là, pour lui faire ça, qui a fait que. Oui, il faut savoir l'accepter. Et pour le coup, c'est toi qui te retrouves avec des traumas. Oui, mais toi, de la même manière, tu as trouvé la personne qui est convenable. Pour moi, c'est un échange. Bonsoir. Ça va se rappeler. Bonsoir. Alors, chacun a son ça, intelligence. Ça, c'est certainement. Elle sait faire ça. Allô, bonsoir. Pardon. On est numéro 1, madame. Non, mais bon, des fois, excuse-moi, là où je suis. Attends, allô? Allô? Tu allô? Oui, bonsoir. Monsieur, vous appelez oui, d'où? Oui, bonsoir, Adrien. Allô? Allô? Oui, comment tu t'appelles? C'est Grégory. Oui, Grégory. Eh bien, dis donc, oui. Ça va? Ça va. Alors, fais-nous plaisir. On a eu la psy numéro 1, maintenant le psy. Vas-y. La discussion, elle est très bien. Elle est très, très bien portée. Mais il y a un inconvénient. Oui. Les femmes recherchent tous ces critères. Mais à quel moment elles baissent leur rempart pour qu'elles puissent voir? Tu peux la redire, c'est pas entendu. Reformule, elles n'ont pas compris. Non, il y a eu un blanc. Comment? Alors, vous avez dit qu'une femme recherche un homme attentionné qui parle de ses sentiments, patati patata. Oui. L'inconvénient, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour reprendre ce que Charlène a dit, il n'y a pas de code. Donc, forcément, l'homme va prendre du temps avant de se livrer. Hélas. L'homme va prendre du temps à se livrer. Donc très souvent, la femme qui est là, c'est conscient, je vais dire, mais on va dire qu'elle est là en relation sparadrap. Pansement. Oui. Pansement, voilà. Elle va le soigner et puis quand le gars sera bien, il va partir. Ou une autre. Oui, mais si la personne lui correspond. Pour moi, déjà, il faut tramer, il faut créer, il faut bâtir la relation avant tout. Alors, ensuite... Je comprends tout ce que tu me dis. Mais Jessica me connaît, c'est que j'ai beaucoup de potes. Moi, je peux te dire que frère, ça marche jamais. J'ai du même avis. Ça marche jamais, ce truc-là. Celle qui a pensé, bah, le mec, il reste pas forcément avec. Ouais. Le plus souvent, il part et il fait sa belle vie avec. Mais c'est dommage, Grégory. Parce qu'il devrait rester. Vraiment... Ben oui, parce qu'on n'est pas reconnaissant, j'ai tort de le dire. Ah ouais, vous étiez pas. On n'est pas quoi? On n'est pas reconnaissant, c'est après qu'on se dit, ah, mais là, c'est ça pour moi quand même. Hein. Je dirais même que ce n'est pas une question de reconnaissance, Greg. Moi, je pense que c'est. Là, il est plus conscient de ce qu'il veut, de ce qu'il ne veut pas. Il est plus en paix avec lui-même. Donc, là, il peut faire un choix, raisonner. Là, il était blessé. Donc,
il faisait avec ce qu'il avait, il a accepté cette personne-là parce qu'elle était son soutien, son épaule, son oreille émotionnelle, ce que tu veux. L'indépendance affective. Il y a eu une habitude, un lien, elle a su penser ce qu'il avait à penser. Le gars, il s'est revigoré, il peut voler de ses ailes et il se dit, mais au final, c'est pas ce que je veux. Après, là où je suis. Il peut même se dire qu'en fait, le fait que la fille soit là, elle a pensé, il a honte. Il y a aussi ça, en fait. Comme elle a vu bactère en machin, donc elle m'a pensé, il faut qu'elle dégage. Exact. C'est vrai que les hommes n'ont pas la même. Mais vous vous rendez compte de l'état émotionnel de la femme derrière ça? Quand elle voit que le gars, il est heureux avec une autre, alors que c'est grâce à elle que le mec, il est comme ça. Bah, faut que tu le prennes différemment que dans le négatif. Faut que tu le changes en positif, en disant que tu étais là pour justement qu'il puisse monter. Attends, Vigo, il finit. Vas-y. Donc, je voulais revenir aussi sur un autre point. Oui. Qui n'est pas indéniable. Je suis papa d'un garçon de 15 ans, j'ai une petite fille qui a 4 ans, et je pense qu'il faut, comme dit souvent ma femme, il faut éduquer le garçon à comprendre que non, c'est non, mais il faut éduquer aussi nos petites filles pour leur dire, bon, regarde, tu vois une fille, le gars est un petit peu, bon, il a la trique, il est un petit peu plus dans ce qu'on peut, non, tu lui dis non, tu retombes pas derrière lui, quoi. Ouais, c'est pas de l'eau qui coule dans les veines du gars. C'est vrai que c'est aux parents aussi. Nous, parents, on arrive à inculquer ça à nos enfants. Ouais, pour qu'ils aient les codes et qu'ils puissent les définir. Exact. Parce que je pense que tous ceux-là qui sont sur le plateau, hein, je vous prends tous, vous avez toutes et tous ce genre de code. Vous savez qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Oui. Donc voilà. Et puis, le dernier point, et ça, c'est bien dommage, c'est, vous avez parlé de rencontres d'hommes et de filles. Oui. Je me rappelle, et je sais pas, tu vas dire oui, quand on allait en soirée et qu'il y avait la session de zouk, c'était à ce moment-là que tu voyais si tu arrivais à pécho ou pas. Parce que tu tenais la personne, tu savais si oui ou non tu partais avec elle. Ouais. Là, maintenant, c'est fini. Quand il y a le zouk, ils te disent c'est bon, on peut rentrer chez nous. Oui, parce qu'ils ont machin. C'est bien dommage. Mais bon. Sur le après chat, le zoom, c'est comme c'est ça. Pas le vrai, c'est pas d'accord. Le zoom. Merci. Merci. Okay. Greg. Allez, je vous fais de gros bisous à vous tous. Merci. Bonne soirée. Bye bye. Bon. Grégory a dit un truc qui est vrai sur la drague, mais je vais carrément poser une question aux femmes parce que Charlène a mis un truc dans ma tête là. Les filles, est-ce que vous ne pensez pas que nous sommes trop exigeantes? Que nous sommes tellement aussi focalisés sur le physique qu'on n'arrive pas à regarder l'âme d'une personne. Parce que Charlène a dit un truc qui est vrai. Et les hommes qui ne sont pas beaux, comment ils font, tu vois? S'il n'a pas fait de sport, s'il n'a pas les dents blanches, s'il n'a pas ceci. S'il ne transpire pas. Ma mère, je ne veux pas t'écouter. Mais regarde, un homme. Alors même si ce n'est pas... On ne parle pas d'un galet. On parle d'un gars qui ne te... Déjà, qu'est-ce... C'est quoi laid et c'est quoi beau, tu Parce vois? Parce qu'il y a des filles qui m'ont déjà dit, j'aime les gars laid. Tu vois? J'aime les gars maigres. Une femme qui ne te plaît pas, d'accord? Et ça, je vais dire une phrase qui sera... Les filles là qui font ça, ne vous fâchez pas avec moi, je ne dis pas ça vous tirer sur vous. Il y a des femmes qui vont aller au restaurant et boire un verre avec un homme qui ne les plaît pas parce qu'elles sont en mode, écoute, c'est gratuit, je vais manger. Je me dis, mais comment elles font pour avoir l'appétit? Je peux pas manger un plat devant un homme qui ne me plaît pas. Ça veut dire quoi? Non, c'est pas qu'il te plaît pas. J'ai pris le gars. Tu ne connais pas surtout déjà. Alors, je ne te connais pas, tu ne me plais pas. Donc, je suis là en mode. Et puis surtout, quand le gars parle, il te saoule. Et en plus, que le gars te parle, il te saoule parce que tu n'es pas intéressé. Il y a plein de femmes qui font ça. Et tu fais ton téléphone comme une mal élevée. Et tu fais des snaps en plus. Sur le dos de la personne. Et surtout, tu filmes pas la tête de la personne. Et tu filmes pas le gars. Prends-moi en photo, s'il te plaît. Tu dis même au gars, prends-moi en photo quand tu snaps, des soins, pousse-toi. Il faut pas qu'on voit quel maco qui t'a ramené là. Tu comprends? Retire ton verre et ton assiette. Pousse tes mains, va t'en sur la bague. Non, laisse la main quand même. Hein. Il faut qu'on voit que je suis la quand bouffe, même prise. Ouais. Non, oui, attends, ça dépend de la bouffe. C'est une bonne marque. Hein. Voilà. Donc, non. Non, alors, franchement, là, c'est les filles, vous n'avez pas répondu. Moi, je ne peux pas. Les filles, parce que la question, c'était peut-être pour les filles avant. Mm-hmm. Les filles, on avait parlé du physique. Est-ce que Charlène n'a pas levé un point pour qu'on aille dormir dessus ce soir? Est-ce que les femmes ne sont pas aussi dures et trop exigeantes à toujours rester que sur le physique, sur la beauté?
parfois le même type d'homme, hein, parce que soyons honnêtes, lorsqu'on revient dans le passé, en tout cas moi je l'ai vécu, à me dire mais pourquoi j'ai pas de chance. Et quand je regarde le type d'homme, à un moment donné, c'est toujours le même. C'était le même type d'homme. Et tu sais que ça fonctionne okay? pas, mais tu y vas quand même. Exactement, c'est le même critère, les mêmes critères, mais on y va. Ils sont tous différents. Tu comprends? Donc, est-ce que nous ne sommes pas trop exigeantes à ne pas parfois donner une chance à des mecs qui ne nous plaisent pas au premier abord? Lorsqu'on regarde, en tout cas, on se dit « Ah, mais non, c'est pas ma carte. Mais c'est Nyangonais, mais comme ça, je te vois. » Pour moi, on va toujours être attiré avant par une personne qui nous correspond visuellement. Ouais. Après, laisse-moi te dire, s'il vient, déjà, il sent bon, encore une fois, il est bien habillé. C'est un plus, tu coches. L'apparence n'est pas, mais on va faire une vague quand okay. c'est mis acquis. Mais pour moi, si on voit le côté qu'il ne va pas juste me prendre pour me baiser, alors déjà qu'il ressemble à rien, en plus il veut me baiser, c'est bon. Mais s'il vient, il a de l'humour, on a une discussion. En fait, je vais plus être amenée à le connaître. Voilà. Et en fait, pour moi, l'amour se crée. Le père de mes enfants, ce n'était pas du tout ma cam. Clairement pas. Et pourtant, je l'ai aimé, tu vois, on a fait deux gosses. Et là encore, je le dis, c'est toujours pas ma cam. Après, être séparée, je me dis, mais qu'est-ce que je l'ai trouvé? À ce moment-là, c'était ton type, en fait. C'était après m'avoir charmé, en fait, avant, il a pris du temps à me charmer, il a pris du temps à me connaître, à faire des petits gestes, et agriculteur, tu vois, pastèque. J'aimais bien ça, tu vois. À la maison, c'était son sugar daddy de légumes. Voilà, mais ben, oui. Et en fait, ça m'a fait tellement du bien, plaisir, qu'en fait, j'ai trouvé du charme qui l'engageait. Ça t'a fait pareil aussi avec ton papa, ou bien c'était ta carrière? Ah, mon papa, putain, faut pas dire ça. Moi, au début, je savais pas voir sa tête. C'est toujours comme ça. Non, il était péteux, il était arrogant, tu sais. Je savais pas voir sa tête. Et surtout à cause d'une collègue. J'ai oublié son nom, cette conne. Heureusement. Elle aimait le voir, en fait. Et chaque fois qu'elle voyait, elle me disait, regarde. À cause de mon zèle, je savais pas voir le gars encore plus, en fait. Et un jour, j'en ai eu marre et j'ai pris un papier. Je dis, ouais. Moi, ton numéro de téléphone, j'ai pris ton téléphone. Je lui ai balancé au gars, je lui ai donné. Enfin, je lui ai dit, ouais, tiens, j'ai pas donné la monnaie. Enfin, lui donner la monnaie, c'est pas fou. Il m'a envoyé faire pipi. D'après moi, et en fait, elle allait, elle a donné son numéro. Il l'a jamais rappelé. Et au final, ils ont fait deux gosses. Et toi, Linda? Et ben, je vais rester dans le même thème que les baby daddy. Écoute, c'est la même chose. Je sortais du sport. J'entends pss. On parle mieux de ton papa, Michel. Moi, il a pas fait ça, au moins. Donc, moi, je continue ma route et tout. Et je vois des espèces de. J'allais dire clochard. En plus, non, en fait, c'est son pote qui m'avait psité. Oui. Il a dit, ouais, fais pas attention, c'est un mal élevé et tout. On a discuté. Il m'a demandé mon numéro. Et je sais pas pourquoi j'ai donné mon numéro de téléphone au gars. Il m'a jamais rappelé. Hein. Et puis, un autre jour, je vais au sport. Je le croise en voiture. J'ai dit, mais c'est comme ça que tu me rappelles et tout. En plus, tu dis ça au gars. Après, je me suis dit, mais pourquoi j'ai dit ça au gars? Et au final, ça a fini avec deux enfants. Voilà. Et aujourd'hui. Et pareil comme toi, je me dis, mais qu'est-ce que je lui ai trouvé en fait? Mais c'est un gars super gentil. Franchement, je peux dire plein de choses sur lui, mais je peux pas lui enlever ça quand même. Alors, je sais pas si moi je dois dire que c'est comme vous, hein. Ok, pareil. Hein. Aujourd'hui, je me dis, mais qui m'a envoyé là? Et pareil, deux gosses, tu vois. Donc, papa me dit. On a été empoisonnés, c'est pas possible. Les Bretonnes, bonsoir. Allô? Allô, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Joël. Allô, Joël, tu nous viens d'où? Moi, je m'appelle de la Guadeloupe. Quoi? J'appelle de la Guadeloupe. Ah, bonsoir, la Guadeloupe. On aime beaucoup cette île. Ouais. On aime les Agoulous. J'aime les Agoulous, c'est trop bon. Oui, je coupe en quatre. Et les bonnes kits. Je préfère les Agoulous. Ah. Oui. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Eh bien, je trouve l'émission à faire téléphone. Et vous qui présentez l'émission, vous êtes très belle. Merci, monsieur. Par contre, c'est un truc que j'aimerais dire, juste un truc comparaison. C'est-à-dire que vous avez parlé de plein de choses là, mais je dis, c'est moi ma conclusion vis-à-vis de la société maintenant. Je dis comme quoi que pourquoi il y a autant de femmes séparées qui disent qu'ils n'ont pas de chance de trouver l'homme de leur vie. Parce que il y a parfois, je dis parfois, c'est l'arrogance ou du moins l'arrogance et puis. C'est-à-dire que.
Dieu t'envoie, parce que je ne sais pas si vous êtes chrétien, hein, mais parfois Dieu envoie quelqu'un pour toi, pour l'homme de ta vie. Il te donne, mais ce n'est pas du tout l'homme que tu attendais. Ce n'est pas ton type d'homme, ce n'est pas cet homme-là que tu voulais. C'est de même comme pour l'homme, hein, le lui donne une femme, et c'est cette femme-là, c'est pas son genre de femme. Et je ne sais pas. Et puis, et pourtant, si, par exemple, si on voit vraiment les choses, et ça marche. Oui, mais et tu bon. Sais, ce que tu as dit est vrai, parce que c'est Gomoun dans tes MND. Ou pas savent si c'est bon Dieu qui vous ébarre. Mais bon Dieu ne peut pas dire nous, c'est lui qui l'a. Au moins, nous savent que c'est lui. Parce que tu imagines le nombre de femmes qui essayent plusieurs hommes. Parce qu'il y a des femmes, quand ça ne va pas, ben elles jettent, elles prennent un autre, elles jettent, elles prennent un autre. Mais en attendant que le compteur de notre chouchoune, ça monte. Tu comprends? Donc, jeter, prendre, ça fait quand même beaucoup. Mais on ne sait pas, en fait, qui. Peut-être que ce que Linda vient de dire, peut-être que le père de ses enfants, peut-être que c'est lui que Dieu a envoyé pour elle. Et qu'elle ne le sait pas. Et peut-être que dans 10 ans, elle va se remettre avec lui. Cheyenne, pareil. Ou Audrey, ou moi-même. Tu vois? On ne sait pas. Parce que j'ai vu. Mais attends, excuse-moi, comment il s'appelle, il a dit? J'ai oublié. Johan. Tu es en couple? Je suis divorcé. Et pourquoi tu as divorcé? Non, c'est un homme d'histoire. C'est un homme d'histoire. J'ai jamais pu réussir. Donc là, maintenant, tu flirtes. Maintenant, tu vis comment? Tu es célibataire? Tu as des femmes sur les côtés? Comment tu es? Je suis célibataire. Tu es célibataire en couple? Tu es célibataire, mais tu as des flirts? Tu vois des femmes? Non. Ok. J'attends que ça se présente. Moi, j'ai connu des filles. Je connais des filles. Mais tu as quel âge? À un moment donné, j'ai vécu, je vivais. Mais à un moment donné, il y a un moment avec les expériences, on arrive à comprendre les choses. C'est vrai, c'est avec l'âge qu'on le voit. On va le voir tout le temps, peut-être, Linda. Mais en tout cas, merci beaucoup, Gwada. On te fait de gros bisous. Ok. Ça gagne. Continue bien l'émission là, ça. Ça a fait là. Il est bon. Pas de problème. Ça a encore un peu de l'intimité. Eh bien, à plus tard. Bye bye. Allô, bonsoir. Bonsoir, Chocolat. Bonsoir, ça monsieur. Va, c'est qui? Oui, moi, je suis Bruno. Bruno, le téléspectateur fidèle de ZTV. Ah oui, Bruno, ça fait longtemps. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Ça fait longtemps, Choco, c'est vrai. Mais je te regarde et je te suis sur les réseaux sociaux. Oui, merci. Voilà, en espérant la belle rencontre. Parce que c'est très important pour la drague, il faut qu'on soit bien disposé aussi. Hein. Mais c'est très important. Si, par exemple, ta maman a un malaise et que tu dois aller la voir, même si c'est l'homme de ta vie, il est beau comme un prince charmant, tu n'auras pas le temps pour lui. Hein. Tu vas lui dire, ah, désolé, j'ai pas le temps, je suis pressé. Alors que si un jour, tu es disponible, ben là, tout est possible. Mais enfin, sans être trop prétentieux, permets-moi de saluer Grégo, qui a la technique, qui réalise l'émission. Oui. Mano, sans qui rien ne serait possible. C'est ça. Et puis les téléspectatrices et téléspectateurs de Zouk TV. Merci. Je m'éloigne de la télé parce que je s'occupe peut-être un peu de la scène. Ok, pourtant c'est baissé, mais je m'éloigne quand même. Donc bonsoir aussi à tes co-animatrices et animateurs. Bonsoir Audrey, bonsoir Cheyenne, bonsoir Linda et bonsoir Jean-Christophe. Bonsoir Bruno. Oui, vous allez bien? Oui. Merci, et toi? Comme d'habitude, je vais bien, Jean-Christophe. D'ailleurs, il y aura une petite question pour toi à la fin. Comme d'habitude, vous donnez la meilleure image de vous-même. Donc moi, je suis un homme. Hein. Excuse-moi, j'en crie. Mais c'est vrai, je suis toujours aussi sensible, Choco, Audrey, Cheyenne et Linda, à vos beautés, coquetterie et féminité. Alors, vous avez parlé de la drague, également des hommes qui sont en couple, qui draguent aussi. Voilà, juste pour vous dire et vous poser la question suivante, c'est vrai que la drague, sur les réseaux sociaux par exemple, hein, répond,
quelquefois un besoin, un désir, une demande, un manque de l'autre côté. Ça dépend, voilà, ça dépend ce qu'on cherche. Mais maintenant, vous comme moi, entre la demande d'amis de l'archevêque, des maires de Fort-de-France et de Ducos, ce sont ceux qui reviennent le plus souvent, on a aussi, il faut bien l'avouer, des demandes un peu bizarres. Moi, je n'ai même plus besoin de sortir pour avoir, parce que il y a celles qui... si ce sont des femmes, hein, parce qu'une fois qu'on a fait la petite cam, la petite vidéo, Choco, oui. Audrey Cheyenne, Linda et Jean-Cri, on s'est embarrassé, je n'aurais pas mépris dans mes propos, mais des homosexuels qui voulaient se faire passer pour des femmes, à qui vous plaisez, et bon, ils veulent vous draguer, les gars, ils se font passer pour des femmes, donc ils sont là. Il y a aussi la bande d'adolescents qui veulent jouer avec un adulte. Ce sont des gars là ensemble, il y a peut-être une seule femme dans le groupe, ils ont envie de jouer avec un adulte, hop, ils se font passer pour une femme. Et enfin, il y a de vrais escrocs aussi, hein. Ça existe. Alors, mais en Martinique, c'est spécifique. Parce que là, je trouve qu'on a deux pièges. Alors, il y a le piège qui peut être très cruel et qui peut très mal finir. C'est celle qui est avec un bad boy. Alors là, elle sait que tu ne vois rien. Tu la contactes, tu fais tout, elle est la plus chaude possible. Mais derrière ça, pendant que tu sois au restaurant avec elle, peut-être que tu vas te faire cambrioler, mon ami. Tu vois, le vrai piège. Et puis maintenant, comme vous l'avez certainement constaté, de la part peut-être des Martiniquaises le plus souvent, puisque les Espagnols ont le trottoir des terres servies pour le faire, n'empêche qu'elles ont quand même des pages sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est la prostitution hard. Mais il y a une sorte de prostitution qui existe ici, qui est soft. Ah, par contre, excuse-moi, je t'arrête juste. Moi, je défends les prostituées, parce que heureusement qu'elles existent. Parce que les femmes de la nuit, les escort girls, les prostituées ou les péripatéticiennes, comme on les appelle, heureusement qu'elles sont là, parce que grâce à elles, il y a moins de viols. Elles dégorgent un petit peu, beaucoup de personnes. Et ça permet justement aux hommes qui ne sont pas super plaisants, qui ont des difficultés physiques. Les handicapés, par exemple. Ça les permet aussi de... D'avoir une sexualité. Mais évidemment, donc heureusement... Et une écoute, hein. Et une écoute, hein, parce que des fois, elles écoutent les gars parler, hein. Ah oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Ça évite aussi qu'il y ait des actes de délinquance sexuelle. Mais bien sûr. Des viols, etc., des attouchements, machin. Bruno s'appelle. Donc oui, je suis d'accord. Bon, alors quand... Attends, Bruno, juste pour continuer là-dessus. Tu as très simplement le gars normal aussi, il a fini sa soirée, il a pas pu avoir un rendez-vous de fin. Et il se dit, bon, eh ben, il va finir sa soirée avec une péripatéticienne plutôt que d'insister avec quelqu'un qui lui a déjà dit non et qui ne comprenne pas le non. Donc, c'est un choix que je respecte aussi. Et je me dis, bon, eh ben, écoute, je ne vais pas te juger pour ça. Et sans oublier les hommes qui ne veulent pas tromper leur femme avec des femmes de dehors, qui préfèrent que comme ça. Avoir recours à des prostituées. Comme ça, il n'y a pas d'attache. Ah, oui. Il n'y a pas d'attache. Sauf qu'ils sont venus pour du sexe. Alors, je suis d'accord avec vous, hein, tout à fait. Il y a même ceux qui me disent, ce sera l'objet d'une autre émission, qu'au lieu de payer des restos, du ciné, etc., des boîtes de nuit, des soirées aux femmes, ils préfèrent dépenser 30 euros et puis tirer leur coup, comme on dit entre parenthèses. Hein, voilà. Au lieu de 6 mois de drague, peut-être un footchose, ils préfèrent conclure avec 30 euros de payer. Bon, c'est l'inflation, Bruno. Bruno, je sais pas si tu... Bruno, je sais pas si tu vas à carénage et que ça a 30 euros, mais je crois qu'en 2024, avec l'inflation, je pense pas que ce soit à 30 euros toujours. Ah, très bien, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, Bruno. Oui, on va te laisser parce que l'émission prend fin. Merci beaucoup. Ah ben, merci à vous. Merci pour l'émission. Passez une bonne soirée. Pareillement, gros bisous, Bruno. Bisous. On aime beaucoup Bruno. Bruno, il ne rate pas une émission et il participe tout le temps. D'ailleurs, je trouvais qu'il prenait du temps pour appeler. Non, Bruno et H est très à fond dedans. Je vais quand même faire cette parenthèse parce que j'y tiens. Et puis, j'aime pas quand les gens tirent sur les femmes de ce métier parce qu'on en a besoin. En plus, je suis une femme. Je dis ça parce que je trouve qu'elles ont leur place dans la société. Elles ont toujours été là quand tu Et puis je connais des hommes qui sont très sur ça. D'ailleurs, il y a un qui m'a contacté, il était triste. Il m'a dit chocolat, Coco, ils ont fermé le site Coco. J'ai dit merde, comment tu vas faire? Il était tellement touché parce que il aime
Il aime ce genre de rencontre parce qu'il me dit, écoute, il y a moins de chichi, on carre pas sur moi, j'ai envie de passer un moment. En plus, ce qui est bien, c'est que sur certains sites de rencontres comme ça, ça peut arriver que tu aies envie juste ce soir d'aller au cinéma et après de faire quelque chose avec une femme, un petit moment. Ben, tu vas pas, t'as mis envoyer plein de DM pour plein de femmes qui vont peut-être pas te capter. Ça le dérange pas. Mais et comme ça fait, il y a pas de chichi, donc c'est droit au but, tu sais. Et où ça fait que tu six vas, ans qu'il était sur ça. Et là, il m'a, c'est lui qui m'a appris que le site était fermé. Puis j'ai dit bon, mais pauvre tichou, je vais te donner d'autres liens. Mais il y a toujours, ça va toujours exister. La drogue et le sexe, on aura beau, drogue, les gens sexe, auront beau, beau faire des choses dessus, ça va toujours exister. D'ailleurs, il faut pas oublier que les femmes du travail et du sexe sont protégées. Et d'ailleurs, beaucoup de femmes critiquent ce genre de femmes, mais il faut savoir qu'elles sont parfois plus propres que d'autres. Parce que ce sont des femmes qui prennent soin d'elles, qui font beaucoup d'examens. Elles sont très à cheval sur les tests des MST. Tandis qu'il y a des femmes, ça fait au moins 3 ans qu'elles n'ont pas fait un prélèvement vaginal. Elles ont des pertes, on prend l'odeur jusqu'à la poisson de Fort-de-France. Elles ne prennent pas soin d'elles, et tandis qu'il y a des femmes du travail, elles sont très sur ça. En plus, en 2024, ce n'est pas les prostituées qu'on connaissait à l'époque. Hein. Dernièrement, je suis passée au Terre-Saint-Ville. Les meufs, elles sont refaites, BBL, poitrine. Ah ben ouais, elles sont bien. Mais c'est moi qui suis une femme, quand je passe, je dis, mais ah ouais, elles sont pas mal. Mais moi-même qui suis une femme, une fois, je me suis arrêtée, j'ai dit, c'est mon anniversaire. Elle m'a même pas dit bonjour. Tu comprends, c'est dire que je me suis dit, mais pourquoi pas moi? Je peux bien, je m'offre un petit cadeau. Attends, c'est, il faut vivre, hein, ça. Tu l'as pas payé? Comment? Tu l'as pas payé? Je pense pas qu'elle prenne des. T'arrives là en mode de blague, c'est tout. Donc oui, elle a voilà, sérieux. Peut-être qu'elle a c'est dit, voilà. Ouais, t'as pas posé ce que j'arrive en même blague. Quand je passe, je te jure, mais elles sont trop belles. Je me dis parfois, mais oh, celle-là, les nouvelles, j'ai jamais vu. Celles qui enregistrent tous les vides. Non, avouez qu'elles sont magnifiques. Bah oui, avant, je ne vais pas dire qu'elles étaient moches, mais c'était pas les prostituées de maintenant. Ouais, franchement. Et je finis l'émission sur un hors sujet, parce que ce sera le sujet futur d'une autre libre antenne. On va faire une petite parenthèse sur l'hygiène. Sur l'argent. OK, parce que dernièrement, j'ai vu que beaucoup d'hommes disent ouais, les femmes se matérialisent. Les femmes ne sont là que pour l'argent. Les femmes, si tu n'as pas d'argent, tu ne gères pas une femme. Jean-Christophe, c'est vrai ou pas? Est-ce que tu peux dire qu'aujourd'hui, que 75% des femmes, si tu n'as pas d'argent, que tu sois bon ou pas, Gabriel? Toute proportion bien gardée, hein. Tu ne vas pas arriver dans un couple. Pas dans un couple, dans une dans un début de relation et où tu veux t'engager. Tu as quelqu'un qui est indépendant, qui a des objectifs. Il y a des filles qui seront d'accord, mais là aujourd'hui... Tu n'as pas de maison. Mais même moi, je te regarde. Si on inverse les rôles, je suis célibataire. Attends, tu as 35 ans ou 37 ans, tu n'as pas de voiture. Tu n'as pas chez toi, tu es chez tes parents. Tu n'as pas de travail. Mais ma chérie, et puis tu cherches pas en avoir non plus. Et puis l'envie n'est pas là. Et puis tu veux la fille qui a tout. Et puis oui, okay. Et puis en plus de ça, quand tu sors, il faut te payer le petit sac Gucci, il faut que je t'habille, il faut que je te dise comment t'habiller, il faut que je te dise comment te tenir, que je t'emmène avec moi. En fait, c'est ça qui me dérange. C'est-à-dire qu'auparavant, il y avait des hommes qui payaient, mais tu avais des femmes qui avaient de l'éducation. Elles savaient rester à leur place, elles savaient se tenir, elles savaient à quel moment parler, pas parler, à quel moment soutenir leur homme, etc. Mais c'était fait avec classe. Aujourd'hui, ben, la fille, elle est là. Tout bonnement. Alors, la question est sale. Il reste quelques minutes, peut-être 2 minutes. Donc, je fais exprès de lâcher cette question parce qu'elle est très puissante. Et bizarrement, je vais commencer par Audrey. Audrey, est-ce que tu penses que les femmes qui acceptent les cadeaux des hommes, qu'elles savent qu'elles ne veulent pas de cet homme, donc l'homme, quand elle accepte le cadeau, l'homme devient un maco ou un garde-cocotte, est-ce que tu trouves ça pas bien ou est-ce que tu dis... est-ce que tu trouves ça pas bien, les femmes qui... Ça dépend. Qu'ont des macos? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ben, comment dire ça? En fait, t'as des femmes qui vivent que par ça. Non, je suis pas d'accord. Mais t'en as d'autres, en fait, elles sont pas forcément là pour dire « je veux ça », en fait. C'est l'homme qui propose. Donc, dans le cas où c'est l'homme qui propose, je dis au gars « avec chou, c'est tant pis pour toi, t'as proposé, en fait. » Donc, c'est quand tu offres un cadeau à quelqu'un, tu sais que tu... Tu sais pourquoi tu le fais, en fait. Donc, tu l'offres, que la personne ne le garde pas, machin, ce n'est pas ton problème. Mais si l'homme qui te donne, à un moment donné, tu te montres, écoute... parce que tu sais qu'un homme qui donne, c'est un homme qui te veut, il est capable de te donner beaucoup sans rien avoir en retour, et un jour, il te demande son addition.
Là, comment tu réagis? Comment je fais? Moi, je récupère tout ce que tu m'as donné, je te donne tout goutte par goutte. Ok. Et toi, goutte par goutte. Qu'est-ce que tu penses de ça, des femmes qui... Moi, personnellement, je le fais sur, avec mes abonnés. Par exemple, récemment, avec Carrie Bronze, j'ai partagé qui m'offre un maillot très, très beau. Ah, vous êtes copines? D'accord, je ne savais pas. Moi, j'ai fait ça. Vous avez fait la même école. Vous avez fait... Non, c'est la même école. Parce que Audrey, elle m'a montré qu'une fois, ouais, là, je le dis devant tout le monde, qu'elle a écrit sur Snap. Hop, qui m'offre. Et puis elle, j'ai envie d'un maillot de bain. Elle a écrit, j'ai une sortie bateau, envie de maillot de bain et 40 euros pour payer le bateau. Ah. Et ben, elle a trouvé quelqu'un qui a payé le bateau et qui a le maillot. Et j'ai même une robe. Voilà, d'accord. C'est chaud, les filles. Moi, chaque fois que je fais mon shopping, c'est ce que je fais. Hein. Et ça, non, mais sincèrement, de base, je l'ai fait, mais je pensais pas. Franchement, je pensais pas. Alors, et maintenant que t'as vu que ça marche, tu fais tes courses en ligne. Non, des restaurants et tout. Pas des livraisons, tu vois. La fille écrit, veut envie d'un gâteau ananas. Bizarrement, le gâteau. Ouais. Jean-Christophe, est-ce que tu penses que si tu le fais demain, ça marche? Mais non. Allons tester, allez, s'il te plaît. Demain, c'est écrit sous ton statut. Mais déjà, tu es en train de le dire. Donc, les gens regardent. Ça va pas. Peut-être qu'elles ne vont pas regarder. Je veux que tu fasses. S'il vous plaît, on fait un test demain. Je vous donne ce défi, vous tous les quatre. Vous écrivez un truc, soit à manger ou un truc comme ça, sur votre statut. Et vous allez me dire si quelqu'un vous l'a ramené. Dis-moi, qu'est-ce que tu pourrais marquer? Supposons, qu'est-ce que tu pourrais marquer pour voir si ça marche? J'en sais rien. Un truc banal. Je vais faire mes ongles. Ouais, pourquoi pas. Tu vas me dire si quelqu'un. Qui veut payer les ongles? Voilà. En même temps, alors. Tu m'as pas posé la question à moi. Oui. Moi, je suis plutôt le genre de meuf. J'ai mon propre argent. J'ai pas besoin que tu me fasses de cadeaux. Et en fait, j'aime ma tranquillité. Donc, si la personne qui veut m'offrir un cadeau n'est pas à mon goût, je vais pas accepter parce que j'ai pas envie qu'après tu me colles et que tu me dises « Ouais, mais je t'ai offert ci. Est-ce que tu veux pas venir au restaurant avec moi ? Est-ce que tu... Non, fous-moi la paix, s'il te plaît. Tu me plais pas, je veux pas de ton cadeau. Par contre, si tu me plais, tu me proposes un cadeau, je vais l'accepter. Ok. Non, quand moi je propose à mes abonnés, ils seront les il y a toujours les adhérents qui me disent Schengen, tiens, je t'en offre. Ils ont même mis en bénéficiaire. Ils me disent, tiens, je t'ai envoyé ça. Achète le maillot. Ça te fait plaisir, achète. Ils savent très bien qu'il n'y aura pas de retour. Ouais, parce que c'est pas pareil. Genre, ce qu'on n'aime même pas. C'est pas les mêmes choses parce que toi, une communauté. Tu as une communauté. Voilà, tu as une communauté. Ils sont fans. Et ils te soutiennent dans ce que tu fais. Donc, forcément, ils te prennent aussi, tu vois, pour leur pote, pour leur... Tu vois, pour plein de trucs, sentiments, voilà. Pour leur muse, peut-être, ouais. Mais sans aller dans... Tu vois. Mais si je suis pas là pendant une semaine, non, même pas un jour, je poste pas, j'ai tellement de messages. Tu es où? T'as un problème et tout. Donc, clairement. Parce que Jean-Christophe, je lui ai dit ça la semaine dernière, il voulait pas le faire. Jean-Christophe, s'il te plaît, montre-moi que ça fonctionne. Écris sur ton statut... Un truc pour voir. Non, mais ça, tarte, franchement, ça fonctionne. Moi, ça fonctionne. Alors, déjà, par respect pour ma compagne, je ne le ferai pas. Connecté. Et puis. Non, ça, de toutes les façons, je sais que ça ne va pas se faire. C'est cool pour les gens qui t'aiment, qui te suivent. Et si demain, tu as une proposition spontanée, justement, c'est quelqu'un qui a regardé l'émission et qui te dit bon, bah, j'y sais, je te propose. Je penserais ça pour de l'humour, tout simplement. Hey, tu sais, ah non, mais j'ai un truc. J'ai une idée. Les femmes, ceux-là. Les femmes ne font pas, c'est que les hommes. Voilà, après, vous venez pleurer. Non, moi je pleure. Non, on va lancer une cagnotte en fait. T'as vu, Jessica, elle fait un truc à la fin du mois, la journée. On va proposer JC en roulotte, en cagnotte, tu vois. En fait, ça c'est. Alors, comme JC est. Une journée avec JC. Comme il est en couple, en fait, on ne peut pas. Mais c'est vrai qu'en métropole et aux États-Unis, ils font souvent ça. Ils font gagner un date avec un mec ou une femme. Linda. Et c'est vrai qu'en Martinique, on ne pense pas à. Linda! Après, vous parlez de romantisme. Pourquoi pas? Ben, aujourd'hui, si vous voulez, on peut vous organiser des dates, vous contre rémunération, vous arrivez, c'est déjà fait, messieurs, vous m'appelez, y a pas de problème. Ça, c'est agence matrimoniale, ça. Non, c'est pas agence matrimoniale. Tu as ton date, tu sais comment est la fille, on t'organise. Alors, je voulais faire, il y a 7 ans, j'avais envie de créer une agence matrimoniale en Martinique. J'étais très déterminée, oui, j'étais très déterminée pour ce projet. Et qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas fait? Parce que je me suis rendu compte que nous sommes trop sur les cancans. Trop menteurs. Ce genre de concept-là, en métropole, ça cartonne. Les gens adorent ça. Ici, les gens, ils sont trop embaffés. Tu vas faire déjà, ne serait-ce qu'une petite soirée en mode date. Tu dis, les filles, si mets un bracelet rose, les gars, ils ne vont pas se déplacer parce que les gars sont trop forts pour draguer que derrière un clavier. Non, j'ai un ami qui a ça et parfois, ça fonctionne.
Et parfois, ça ne fonctionne pas. Après, bien sûr, c'est toujours les gens qui ne sont pas, qui n'arrivent pas à trouver une personne qui y vont, malheureusement. Et en fait, ils se retrouvent entre eux. Parce que les filles, ben, c'est facile d'avoir un date. Ben oui. Tu vas dans la rue, on te propose à boire. Il y a quelques années, il y avait une application ici, application de rencontre. Oui, je me rappelle. C'était laquelle ? Je me rappelle. C'était un truc antillais. Oui. Ouais, je me suis inscrite, je suis restée 10 secondes dessus. Parce que quand j'ai ouvert le truc, les gars de mon entourage, que je sais qui étaient en couple, je me suis dit, mais c'est pas possible. Tu es sur un truc de soi-disant célibataire, à la recherche de rencontres. Et en fait, non, t'es en couple. Mais c'est comme Tinder. Tinder, maintenant, tu y vas que pour du sexe. Enfin, quand tu t'inscris, au moins, tu sais que c'est pour ça. Oui, mais ouais, avant, c'était pas comme ça. Avant, t'allais pour boire un verre, voilà, sur sérieuse. Mais non, c'est bon, Ken Kang. C'est un gars qui n'est pas en Ken Kang. Tu sais qui ? C'est vrai que ça a beaucoup changé. Mais bon, c'est comme ça. Et Jean-Christophe, avant de finir, est-ce que tu veux quand même, on te donne ce moment de joie. Est-ce que tu peux nous dire comment les femmes draguent, à ton avis ? Et qu'est-ce qu'on fait qui n'est pas bien ? Comment les femmes... Mais déjà, est-ce que vous... je te l'ai dit au départ, je ne sais même pas. Ouais, ah ouais, ça, tout à l'heure. Je ne sais même pas si les femmes pas... Oui, en fait, elles sont... Alors, il y a des filles, elles attendent que le gars... Elles mettent des likes, et puis elles attendent que le gars réagisse derrière, et puis que... Ça, c'est la... Il y a la drague... Passive. 1.0. La drague passive. La drague active, la fille, elle te fait des battements de cils. Elle commence à faire une petite discussion. Et puis à un moment, bon, la discussion, il est un petit peu trop subtil, il ne comprend pas. Elle va lui dire, bon, regarde, je suis intéressé à en faire quelque chose, etc. Et puis, tu as celles qui sont trop subtiles et tu ne sais jamais. Ou alors, elle veut pas, mais elle veut que tu fasses. Comment donc, tu dragues là, ben déjà, je suis timide, moi, donc je ne drague pas. Tu es timide là. Moi. Ou finis timide. Du coup, je peux voir quelqu'un qui me plaît, je peux rester 100 ans à attendre que la personne vienne me parler. Ah ouais. Et toi, Cheyenne, comment tu te dragues ? Salut, ça va ? Florida en French. Voilà. C'est ça. Salut, ça va, avec le petit regard. Salut, tu sais, voilà. Tu fais quoi dans la vie, franchement ? Pas mal. Moi, ça dépend. Moi, ça dépend. Comment tu dragues ? Ça dépend, en fait. C'est vraiment la personne qui est en face de moi. C'est la personne qui en face de moi qui me dit comment je vais faire pour l'attraper. Donc, ça dépend. Mais à la base, tu es une femme qui drague ou pas ? Tu es cache ? Par contre, non, les hommes ne veulent pas me draguer. Le petit message, je ne supporte pas ça. Tu préfères quand c'est toi qui... Maintenant, oui. Okay. Tellement que j'ai rencontré des gars qui étaient... Ouf ! Non, mon cerveau ne peut plus. Mais pourquoi tu préfères que c'est toi qui drague ? Parce que... Je t'aurais déjà ciblé avant, je t'aurais déjà repéré avant. Tu sais ce que tu veux. Ouais, je t'aurais déjà repéré avant, je t'aurais imaginé. J'ai pas compris, elle m'a voulu contrôler. Tu ne transpires pas. C'est moi qui transpire. Mais en même temps, quand tu te fais draguer, tu acceptes pas la drague. Donc, tu choisis toujours. Oui, tu acceptes. Mais tu as le droit de dire oui, tu as le droit de dire oui. C'est ce que je veux dire. C'est marrant. C'est marrant le oui comme c'est marrant le non. Moi, je kiffe le non. Le dernier non, il était kiffant. Enfin, franchement, le dernier non qu'on m'a dit, on m'a dit un non. Franchement, pendant une semaine, je tapais des barres toute seule. Et tous les gars arrivent à voir que tu les dragues. Oui. Mais c'est facile. Une femme qui vient comme ça, franchement, à part... Comment il avait dit, Hitch, la dernière fois, c'était un sniper, c'est tu tires. C'était quoi la phrase qu'il avait sortie ? Je ne me rappelle même pas. Il avait sorti en fait, il y a des potes qui m'expliquaient, eux, ils n'aiment pas quand les femmes les draguent comme ça. Mm-hmm. C'est un zingue, elles se disent, mais attends, Mazenia, maladie. Tu vois, vous êtes folle, en fait. Tu vois, parce que... Ils ne sont pas habitués. Ils ne sont pas habitués à ce que la femme drague. Alors, surtout, c'est une femme qui te drague et qui te montre que, franchement, écoute, tu ne vas pas être moi ce soir. Le mec, comme il m'a expliqué, mais son kiki, il a disparu. Il s'est dit, comme une huître. Après, ça dépend comment la personne l'a dragué aussi. Tu as plusieurs façons. Tu peux le dire avec ton corps, comme Linda avait dit une fois avec son battement de sourcils. C'est ça, elle est sortie regarder. Comme ça, tu peux le faire différemment en tant que femme, en fait. Mais il y a un nouveau mot à la mode. Je crois que ça, c'est quand tu es dans ton énergie masculine. Et du coup, tu vas draguer un homme qui est dans son énergie féminine. Mais même aller boire un verre, Jean-Christophe, ça ne fait pas des années que je te connais, mais je sais que tu es gentleman. Mm-hmm. Et je me demande, les filles, dites-moi, est-ce que vous trouvez quand même que les gars sont toujours gentleman, même si Jean invité à boire un verre et puis ils n'attendent rien en retour tout de suite. Ils vous disent, mais rentre bien chez toi. Et que justement, c'est le gars qui te laisse en mode. Attends. Tu te dis ça, c'est bien aussi comme ça. Il y en avait un. Tu sais qu'est-ce qu'on nous dit après, les gars qui font ça ?
Ah, mais c'est à cause d'eux que vous êtes tombée amoureuse. Vous êtes des gentils connards. Non, mais moi, il y en avait un qui m'avait dragué, mais il était top. Hein. Il a débarqué chez moi avec ses cabas. C'est les deux reprises toujours. Ah non, c'était un métis lancé. Non, ça, c'est ce que le gars t'a fait aujourd'hui, c'était un compliment. Oui, il est reparti, t'as rien. C'est oui, pas m'a rien demandé. Ouais, c'est un compliment, il est parti. Et j'ai apprécié, sinon ça aurait été comme les. Ouais, bref. Non, c'était pas le gars de. C'était un métis avec des locks. Ok. Ouais. Mais en tout cas, les gens, merci beaucoup. On va remettre l'antenne. D'accord. C'est l'heure d'aller faire la fête. Les téléspectateurs, on vous souhaite une bonne soirée. Merci pour ceux qui ont appelé. Et franchement, ça nous fait plaisir. Rendez-vous une prochaine fois. Restez connectés sur la page de Zouk TV. Bisous, bisous.